Boss, nous sommes là. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas du mal, je vous en prie. S'il vous plaît. Toi? Je te l'avais dit que je t'aurais, après tout ce que tu m'as fait. S'il vous plaît. Ah, salut bébé. Ah, mon soleil brillant. Alors, comment s'est passée ta nuit? Ma nuit était bien. Mais pourquoi tu étais réveillée si tôt? J'avais vraiment très froid. J'avais très peur de ton absence. Tu m'avais beaucoup manqué. Es-tu sûr que c'est... moi, qui t'ai beaucoup manqué ou tu te trompes peut-être parce que tu as un grand lit et deux beaux draps pour te couvrir et te protéger contre les méchants monstres nocturnes. Ah, t'es comique toi. Je sais. Mon amour, n'étais-je pas beaucoup manqué? Quoi? Comment ça chérie? Tu me manques à chaque fois. Tu sais combien tu vaux pour moi? Parfois, je n'ai pas l'occasion de te le montrer à cause de certaines de mes faiblesses, mais tu m'as manqué. Oh, s'il te plaît, arrête. Alors, dis-moi, tu es une partenaire japonaise. Comment vont les autres fournisseurs? Bien, on l'avait fait. Mais il y a l'un des membres qui avait un problème avec sa voiture. Oh. Et je vois pourquoi tu as cet air un peu triste sur ton visage. Ne t'en fais pas. Crois-moi, tu vas t'en sortir. Hein? Je ne veux pas que cette histoire
te dérange. Je ne veux vraiment pas que tu te sentes de la sorte. Hein? Alors, que dis-tu si je te faisais un petit déjeuner au lit? Petit déj? Mm-hmm. Tu veux bien, hein? Ok. Ok. D'accord. Un sucre? Il n'y a pas de souci. Un sucre, d'accord. Ok. Ok. Hmm? Ce sont les griffes de la première classe, mon ami. Ok, faut bien regarder ses habits. Regarde le tissu. Regarde même la couture. Passe comme ça, tu vas essayer. Habits? Ça, c'est vraiment à ta taille. Ça va t'aller. Fais voir. Laisse-moi te dire. Ça paraît petit, oui, mais quand tu vas le mettre, ça va mettre tes rondeurs en valeur. Sérieux? Hey! C'est la vérité? Avec ta taille, là, tu es censé mettre ce genre de truc. Tu ne sais pas que tu as une taille proportionnelle. Écoute, si tu vas dans la boutique d'habillement de... Dada, là au coin, elle n'a pas cette catalogue. Elle ne vend que des habits de couture locale, comme la jupe que tu as mise sur toi. Elle a un stock d'habits démodés, tu le sais d'ailleurs. Tu ne peux même pas les comparer aux miens. Combien? Tu parles beaucoup. N'est-ce pas que c'est toi qui me fais beaucoup parler? Pour acheter juste un habit, tu me fais sécher toute la salive dans la bouche. Ce sont de jolis habits. Plaît, c'est il pas faut mal. Acheter. Celui-là va t'aller. Mm-hmm. Ça, c'est 1500. Quoi? Il y a encore Inke. Inke, bouffe ton argent. Profite de ton argent. Je ne gagne même pas grand-chose dans ces habits. Tu sais à combien je les ai achetés? C'est parce que tu es mon ami, oh. Si je les amène au marché, je vais les vendre à 2500. Tu dors, je n'enlèverai même pas un franc. Cet argent. Fais-moi quand même une réduction. Ah. Je ne suis pas comme les autres clients. Je n'ai pas cette somme maintenant. Aïe, aïe, Inke. Non, ce n'est pas possible. C'est seulement à toi que je le vends à ces prix, oh. Écoute, je viens juste du magasin des Agobel. C'est un nouvel arrivage de ballots. Tu es la première personne à qui je le vends. Je ne l'ai pas encore montré à qui que ce soit. Achète même une pièce avant que les gens ne viennent m'envahir ici. Laisse-moi t'apporter c'est de l'argent. Bien. Il faut acheter. Si tu as refusé de rabaisser le prix. Ça me donnera raison. Tu verras comment les gens vont commencer à t'apprécier quand tu vas le mettre. Ça suffit. Tu me fais beaucoup parler. Né, dis-moi, tu vas aller au marché? Tu ne sais pas qu'il y a un festival qui se pointe à l'horizon? Ah, c'est vrai. J'ai entendu parler de cela, mais je ne suis pas sûre pourquoi qu'il y serait. Le mieux pour toi serait de mettre les habits que tu viens d'acheter et venir participer au festival. Il y aura des c'est gars. C'est bon, laisse-moi d'abord t'apporter jamais, de l'argent, on va discuter. Très, plus très tard. Important. Ok. Et c'est bon, Mado. Ok, mon ami. Faut pas être cupide. Apprends à dépenser ton argent pour acheter de bonnes choses. Il faut profiter de la vie, oh. Ton argent est d'abord pour toi. La famille ou les amis viennent après. Je vais récupérer aussi celui-ci, je te fais une faveur. Ça te donnera une bonne forme, ça mettra ta poitrine en valeur. Hein? Viens donner même 3000 naira. Hmm? Des avis qui peuvent te donner de marché, qui peuvent même t'ouvrir la porte du mariage. Pour acheter, c'est tout un problème. Tu dois me faire parler comme si j'ai donné un cours de modélisme dans un atelier. On dirait que quand des gars vont commencer à te suivre là dehors, moi je serai là. Oh, grand frère. Calme-toi, j'arrive là où ils sont maintenant même. Pourquoi es-tu très impatient? Papa, prends, grand frère. Eh, ok. Ugona. Tu vas te fatiguer, ma fille. Mets-toi parce que moi aussi, je vais causer avec lui. Comment tu vas, mon garçon? Ça t'a pris une éternité avant de m'appeler. Hein? Oh, non. J'aurais dû t'appeler, mais tu vois, mon fils, je ne connais pas le bon temps pour te joindre. Parfois, j'oublie la différence des fuseaux horaires. Ouais, c'est ça. Alors, comment vas-tu? Très bien. Oh, c'est merveilleux de l'apprendre. Très bien. Je sais que tu feras toujours notre fierté. Oui, je sais, ta mère est là avec moi. Ok, juste attends, je te la passe. Oh, papa Mo. Hein? Mon fils. Comment tu vas? Vraiment? C'est merveilleux. Quand est-ce que tu vas revenir exactement? Ah. Tu n'as pas encore une précision? D'accord. Peu importe le moment que tu vas te décider, je veux que tu te mettes en tête que ma cuisine t'attend pour t'entretenir. Hein? Oui. Nous t'attendons. Je t'aime, mon fils. Prends très bien soin de toi. Un instant, il y a ta sœur qui est là, elle n'avait pas fini. Oui. Hey.
Hey, grand frère! Oh, on vient juste de commencer la conversation. Ah. Ok. À très bientôt. Bye. Je sais que si on te laisse dans ce téléphone, tu vas faire une éternité. Ah, il va t'appeler quand il sera libre. Tu ne fais qu'embrouiller ta mère. Oh, votre majesté, désolée, mais je dois sortir. Ma chère fille. Maman. Je pars faire du shopping. Donc, si tu n'es pas occupée, tu peux m'accompagner. Peut-être. J'ai dit peut-être, je pourrais t'acheter un ou deux trucs. Maman, juste ça. Achète-lui quelque chose de spécial comme ce que tu portes. Vraiment? Oh, oui. Au goût. Ça me dit, maman. Ouais. Viens. Suis-moi, à très bientôt. Ok, très bien. À plus tard, ma chérie. Ton frère doit vraiment rentrer pour qu'on parle d'homme à homme. Ishama, tu commences à me fuir. Ah ah. Tu commences à me fuir, Ishama. Tu essaies d'esquiver. Dis donc, d'où est-ce que tu viens? Je n'ai même pas vu. Je sors de ton nez. C'est de là que je sors. Insolvable. Tu veux t'échapper de moi. Tu essaies de t'échapper. Ça fait déjà 3 mois depuis que tu as pris mes habits. Tu refuses de me payer. Hein, vraiment? 3 mois. N'est-ce pas que tu te caches? Ah. Hein? Si quand je veux t'échapper, tu te caches. Dieu merci. Je t'ai vu moi-même. Ah, Jidoko, je ne t'ai pas fui, hein? Je te donnerai ton argent. Je te cherche depuis ce jour ou là-haut. Ah. Où est-ce que tu étais allé me chercher? Hein? Jidoko, je t'ai cherché partout. Je t'ai venu chez toi, ta mère m'avait dit que tu étais partie à Aba. Je ne te fuis pas, non? Hein? Donc tu étais venu chez moi? Demande à ta mère. Quand tu t'es venu me chercher chez moi, tu ne m'as pas trouvé. Pourquoi tu n'as pas donné cet argent à ma mère? Ah, je fais le business avec ta mère. Je le fais avec toi, non? Pourquoi devais-je l'intéresser? Hein, Guamon, tu as vu la personne avec qui tu fais le business? Je suis là en chair et en os. Donne-moi mon argent. Ah, Jidoko, je ne te croyais pas déjà retourné. Mais t'inquiète, je vais t'apporter ton argent même demain. Et qu'est-ce que je dois retenir? T'inquiète, j'emmènerai l'argent demain très tôt matin chez toi, à la première heure. Et sûrement, demain à la première heure. Ah, à la première heure, je te jure. Et sûrement, n'oublie pas que je m'appelle Ejiko Egaaji. Je ne blague pas avec l'argent, surtout quand ça implique mon business. Cet argent que tu gardes jusque-là, c'est mon capital et mon bénéfice. Respecte tes paroles, oh. Je te fais confiance. Demain, à la première heure, tu seras la première personne que je dois voir. Crois-moi. Oh, je ne fais confiance à personne. Je ne me confie qu'à l'argent. Mais je te crois quand même. Tu as dit dès demain matin. Demain, à la première heure. Ok, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Merci beaucoup, ma chérie. Il n'y a pas d'eux comme toi dans ce village. Vraiment. Puisque tu me rassures que tu vas me payer demain, nous n'allons pas nous entrer. Tu es quand même. Si tu es jolie comme ça. Merci, ma chérie. Tu as dit demain matin. Oui, demain à la première heure, il n'y a pas de problème. Demain matin, oh, je t'attendrai. Une fille bien. Regarde comment tu brilles avec cet habit. Vraiment. Vois comment ça te tient au corps. Regarde comment tes popotins ont pris une belle forme avec cet habit. Vois comment tes derrières vibrent. Hey, ici moi. Tu as dit demain matin? Oui, demain. Demain à la première heure. Entendu, ma chérie. D'accord, c'est bien compris. Bye. Bye, à demain. Stupide fille, je t'attendrai demain. On verra. N'ose même pas jouer avec moi. Bébé, quand vas-tu te décider de changer afin de bien prononcer le nom de ma ville natale? Tu sais très bien que j'ai toujours des difficultés pour le prononcer. D'accord, prononce. Ah, ok. Je pense que ce sera la dernière fois que je le dise. Il se prononce Oranto. Oranto. O-ran-to.
Ok, ok, ok. Laisse-moi répondre. Oh, Rwanda. Oui, c'est un magnifique royaume, plein de gens civilisés et des ressources naturelles. Tu vas vraiment aimer ça. Mmh. Oh, je souhaiterais aller là-bas avec toi. J'espère que là-bas, on ne me fera pas du tout mal. Et qu'est-ce que cela est supposé signifier? Donc tu prétends ne pas être assez bonne pour moi, c'est ce que tu essaies de dire, n'est-ce pas? Dis-moi si je mens. Désolée, mon amour. Désolée, ce n'est pas ce que tu penses. Parle-moi de ton peuple alors, parle-moi des filles de ton peuple. Ne parle pas d'eux, s'il te plaît, n'ose pas du tout. D'accord, je ne parlerai pas d'elles. S'il te plaît, chérie, allons prendre du café. Je me sens trop fatiguée. Mon cœur? Comment peux-tu parler de ça pendant que je suis là pourtant? Tu veux du café? Je peux te l'apporter ici. Mais je veux du café et je veux sortir. Mais tu veux sortir pour aller voir qui je suis là? Allez, laisse-moi t'apporter du café ici. Hein? Laisse-moi t'apporter du café. Allez, dis-moi, tu veux du café? Ici, 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 ici. Le café va venir ici, ici, ici. Ici, ok? Ok? Hein? Allez, chérie. Chidoko! Chidoko! Attends! Ah, ok. Les bananes sont là. Tes bananes plantées ont l'air bien. C'est très fraîche. Combien? Ça c'est 1000 naira. Celui-ci c'est 100. Ce régime est plus grand que l'autre. Si tu veux prendre tous les deux, je vais enlever 100 000, comme ça tu pourras donner 1800 pour tous les deux. C'est vraiment cher. C'est coûteux. Maman, ok. Écoute, ne confonds pas les choses. Ce sont des bonnes bananes. Tu vois notre ferme qui est à côté des Hago. Ça vient de là. Les gens n'attendent que ça mûrisse. Ces bananes sont d'une culture sans engrais chimiques. Je ne doute pas de toi, c'est juste que c'est un pêcheur. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi aller avec au grand marché. Toi, tu voulais avoir ça à 1800, mais au marché, je vais les vendre à 3000 naira. Je trouverai des gens qui vont les acheter. Allez, pars avec ça et laisse-moi l'autre ici. Je vais te donner de l'argent. Dépose, attends. Je t'apporte de l'argent. Apprends à apprécier les bonnes choses. Là, ça marche. Ma cliente de luxe, dépêche-toi, je t'attends. Tu vas manger bio. Tu prépares une fête? Non. Ah, mon que le pain que tu avais porté les jours où tu allais à la réunion est devenu usé, il faut le jeter. Ma fille chérie... Où est-ce que tu étais? J'ai demandé après toi, mais personne ne savait là où tu étais partie. Je m'excuse, maman. J'étais sortie pour un rendez-vous. Mais je suis déjà de retour. Alors, comment vas-tu, maman? Je vais bien. Nous nous apprêtons pour la cérémonie qui aura lieu aujourd'hui le soir. Ah bon? Oui. Ton père a invité tout le roi des environs pour venir assister à cette fête. Waouh, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, il n'y a rien que tu ne puisses faire, mais... Ok. Eh ben, ce que je veux que tu puisses faire pour moi aujourd'hui le soir est que tu puisses très bien t'habiller. Quand je parle de très bien t'habiller, cela veut dire que tu sois sur ton 31. Parce que j'aimerais que notre village sache que nous avons la plus belle de princesses. Tu es en train de me flatter, maman. Pas du tout. Tu sais que je suis une reine. Merci, maman. Mange. D'accord. De rien. Non. Je dois comptabiliser mon argent avant d'arriver à la maison. C'est pour... éviter d'attirer les autres yeux sur moi. Les marchés étaient quand même bons aujourd'hui. Allô? Allô? Allô, allô? Qui est au téléphone? Est-ce que tu m'entends? D'accord.
C'est Chidogo. Chidogo. Eh, mais tu m'as pas donné ces 100 naira? Tu avais emprunté chez moi l'autre jour, là, non? Tu as oublié? Tu avais pris 100 naira. Nous nous sommes convenus que tu me rembourses 200 naira. C'est de ça que je pars? Non, 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 pas question. Je suis encore au marché, n'est-ce pas? Ok, tu pourras passer chez moi à ton retour pour me les remettre. Je t'attendrai pour l'avoir. Arrête, ne fais pas ça. Ne sais même pas, sinon je passerai chez toi pour l'avoir moi-même. Non, 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 pas demain. Amène-les ce soir. Je viendrai chez toi, oh. Amène-le-moi, je n'aime pas ce genre de blague. C'est un deal, non? Allez, c'est le business. Hein, c'est mon profit. Je dois l'avoir. Oui. Tu pensais que je te les laisserais. Te laisser son naira juste comme ça. L'argent n'est pas facile, oh. Anderson? Anderson! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Peux-tu te calmer, s'il te plaît, et essayer de me dire ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi es-tu si excité? Demande à leur croire. Oh, allez, bébé, tu me connais. Je ne suis pas bon aux devinettes. Peux-tu me dire ce que c'est? Et va droit au but, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ok. Le deal a très bien marché. Signé, scellé et délivré. Es-tu sérieuse? Oui! Oh, merci. Bébé, es-tu sérieuse? Oui. En tout cas, chérie, je te jure que nous allons maintenant bien jouir de nos rêves. Tu n'as aucune idée de ce que cela me fait ressentir. Vraiment? De finalement avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. Tu l'as rendue réelle. Merci, Louise. Franchement, je suis très contente. Je suis aussi contente. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Merci. Ma chère Louise. Mon bébé. Merci, bébé. Maman. Ah, Chidiogo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as toujours l'habitude d'appeler quelqu'un comme si tu voulais la battre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Maman, pardon. Est-ce que tu avais vu 500 naira que j'avais mis sous mon lit? Je l'ai même vérifié hier avant de monter au lit. C'était bien là, sous le lit. Mais je l'avais pris. Lorsque je voulais partir au marché, j'avais besoin du poisson. C'était juste une envie. Alors tu n'étais pas présente. Alors je l'avais pris, oh, s'il te plaît, ne te fâche pas. Que je ne me fâche pas? Je me suis déjà fâchée. Tu m'as offensée. Comment tu peux prendre l'argent qui n'est pas à toi? Hé, hey, maman, tu sais ce que je devais en faire? Maman, hey. N'est-ce pas que c'est ton argent? Vas-y, réponds-moi. Ou tu veux te battre avec ta mère juste à cause de 500 naira? Tu dis juste 500 naira. 500 naira? Juste 500 naira? Ouais. C'est les 500 000 naira que nous parlons ici, oh. Cette somme n'est pas si moindre comme tu l'as dit. J'ai souffert pour atteindre cette somme. C'est mon argent de business. Tu sais combien de profits j'ai fait avec cet argent? C'est le capital de mon entreprise, maman. C'est juste hier que j'ai totalisé cette somme. C'est même à cause de ça que ma voix est cassée comme tu l'entends. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas de problème. Remets-moi mes 500 naira. Remets-les-moi, s'il te plaît. Chidogo, si tu me demandes encore cet argent, 500 naira, si tu me le demandes encore, hein, on verra toi et moi. Parce que tu ne contribues en rien dans cette maison. Tu ne sais que manger. Tu ne vois que ton ventre, hein? N'arrive même pas là-haut. Fais tout ce que tu veux, maman. Tu peux appeler tout le monde dans ces villages, je m'en fiche, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est mes 500 naira. Tu ne sais pas que je fais du business. Je vois que tu ne veux pas que je continue avec ce travail. Tu peux venir me remplacer et tu vas très bien le faire.
Regardez-moi celle-là. Elle n'a même pas de sens. Maman, laisse tomber. Tu ne sais qui mangeait dans cette maison et tu ne sais même pas donner quelque chose aux parents. Quitte-la. Dégage. Remets-moi mon argent. Imbécile. Remets-moi mon argent, maman. Bébé. Oui, amour. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui te dérange? Bébé, je réfléchissais sérieusement. Je pense qu'il est grand temps que nous investissions quelque chose de lucratif pour un grand business. Tu sais qu'on est une jeune famille et que très bientôt nous aurons des enfants. On devrait commencer à se préparer pour le futur. Laisse-moi te dire que je suis très fière de toi. Tout ce dont tu me parles n'est fait allusion qu'au futur. Dis-moi, quel genre de business veux-tu faire? Ne me dis pas que tu vas ouvrir un restaurant nigérien parce que je risquerai de tout manger. Loin de là, mon amour. Nous ne parlons pas d'affaires de restaurant. Nous parlons des affaires sérieuses. Des affaires qui valent des millions de nègres. Tu sais, mon pays est béni. Béni de plusieurs ressources naturelles. Devrais-je te le dire? Tu sais, mon pays est le plus grand et le plus productif du monde entier. Nous avons des pétroles et du gaz, des rubis. Nous avons des tonnes de plantations. On a plein d'autres trucs. Ok, ça me va très bien. Cela veut dire que je dois aller au Nigeria ensemble avec toi. Et si les choses marchent bien, nous irons ensemble dans une ville. Maintenant, tu deviens une photo claire à mes yeux. Tu sais, mon amour, ensemble, nous allons construire un empire. Oh, c'est une bonne chose. Nous allons faire beaucoup d'argent. Et nous le ferons également, mais avec beaucoup de bébés. L'un d'entre eux aura tes yeux et l'autre aura mon nez. Tu es mon cœur. Et tu es ma Louise, rien qu'à moi. Et que penses-tu de la nomination de notre entreprise, Dosier Louisa Company? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne sais pas. C'est pas mal, hein? Ouais, je pense. Je t'aime. Je t'aime aussi, Dawson. Tu veux t'échapper? Chidoko. Bonjour. Bon après-midi. Bonne nuit. Garde ta salutation, tu peux aller avec au marché et en échanger avec des marchandises. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Je deviens un sujet d'étonnement. Tu veux la guerre? Je vais te donner la guerre. Tu espérais t'échapper belle. Tu essaies de t'esquiver. Tu veux aussi esquiver mon argent. Tu te trompes. Ce n'est pas toi qui as promis de me payer. Je suis venue chez toi à maintes reprises. On me dit que tu n'es pas là. Mais j'étais certaine que tu étais dedans. N'étais-tu pas à la maison? Ce n'est même pas mon problème. Aujourd'hui là, nous allons en finir une fois pour toutes. Mais tu me donnes mon argent, ici et maintenant. Pas demain, maintenant même. Dans 2 semaines, est-ce que tu t'entends parler? 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi? Jamais. Je ne te crois plus. Cependant, tu as profité de mon service. Maintenant, je comprends ton plan. Tu veux détruire l'entreprise de Chidogo. Ça ne marchera pas. C'est votre plan avec tous les gens du village. On t'utilise pour que tu me ramènes par terre. Vous ne réussirez pas. Vous n'allez pas réussir à faire tomber Chidogo. Tu vas me donner cet argent maintenant et ici. Chidogo, je suis très sérieuse. 2 semaines n'est pas bon. Avant que tu te rendes compte, Fia, tu auras déjà ton argent. Calme-toi, je vais te payer. Je ne vais pas fuir. Tu dis fiant. C'est facile à dire, non? Fiant. Fiant. Que la photo s'abatte sur ton visage là. C'est quoi ton problème? Est-ce que je refusais de payer? Pourquoi tu te mets à parler comme une folle? Suis-je la seule personne à avoir des dettes dans ce village?
Suis-je la seule personne à avoir de dettes? Hein? Pourquoi tu dramatises? Hein? Il n'y a plus moyen de respirer. Tu n'as qu'à par-ci, tu n'as qu'à par-là. Tu me suis partout comme une chienne. C'est quoi ton problème? Dis-moi, c'est quoi? Non, tu as mon argent, mais tu oses quand même répéter. Chidogo, tu oses Chidogo, ouvrir ta bouche. Lâche-moi. Pour me parler. Chidogo, Chidogo, tu auras ta raison aujourd'hui. Non, 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 s'il te plaît, c'est pas comme ça, comme ça. S'il te plaît, non, arrête, arrête, s'il te plaît, non. Ne me touche pas. Non, ne fais pas ça. Tu vas tuer quelqu'un, non? Arrête, arrête. Lâche-moi. Non. Naï, dépêche-toi. Nous sommes déjà en retard, s'il te plaît. Ha-ha. Naï. Je suis là. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas encore prêt? Oh. Ça va? Hein? Hey! Bozo! Naï! Hey, qu'est-ce que je vois? Bozo! Hey! Hey! Bozo! Hey! Mon Dieu! Mon fils! Maman! Dosier? Papa à moi! Dosier? Papa à moi! Dosier, maman! Papa à moi! Dosier! Dosier! Quel bonheur! Venez voir mon fils! Dosier est là! Venez voir! Hey! Papa à moi! Papa hey! À moi! Papa à moi! Dosier! C'est à qui ça? C'est ma voiture. Ta voiture? C'est ma voiture, maman. Hey! Hey! Papa à moi. Allez, allons, dansons. Deuxième homme. Hey! Deuxième. Venez voir dans ce village. Mon enfant est de retour. Mon fils est de... Mon fils est de retour. Venez voir. Oh! Venez voir. Mon dossier là. Il est là. Maman. Papa, hey! C'est mon garçon. Naï. C'est mon garçon. Arrête de dire ça. C'est mon garçon. Hey! C'est ma voiture. Dossier. Hein? Maman. C'est ma voiture. Deuxième j'ai fait de l'argent, ma vieille. Hey. J'ai fait de l'argent. Deuxième. J'ai fait de l'argent. Deuxième. Papa à moi. Deuxième. Papa à moi. Viens ici, mon fils. Je suis tellement contente. Hey. C'est bon de te revoir. Deuxième. Franchement, regarde. Hey. Donc, ça là, c'est pour toi. Papa, qu'est-ce que tu veux? Deuxième, t'es retour. Comment la vieille? Allons-y. Nous sommes en train de sortir. Hey. Sais-tu qui vient d'arriver actuellement? Hey. Un investisseur étranger. Et tu me parles de... Qu'est-ce que... Tu as vraiment envie que j'achète tout le pays? Allez, allons à l'intérieur, s'il vous plaît. Naï. Papa, appelle-moi investisseur étranger. Investisseur étranger, hey, maman. Appelle-moi hey. Investisseur étranger. Investisseur étranger. Ça, je préfère. Naï. Investisseur étranger. Non, pas investisseur. Hey. Investisseur. Oh, investisseur. Investisseur. Voilà. Hey, hey, tu dosais mon étranger. Fils. Papa. Hey. Papa mon de la vie. Fils, investisseur étranger. Hey. Mon papa hey. De la vie. Investisseur étranger. Ouais, je vais un peu bien aujourd'hui. Tu m'as appelé en retard aujourd'hui. Peu importe. Comment va ta mère et ton père? Mon père et ma mère vont très bien. Ils m'ont demandé à propos de toi. Et d'ailleurs, ils auraient souhaité que tu reviennes avec moi. Mais je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Une fois que le business sera bon, tu vas me rejoindre ici. Tu me manques, tu sais. Tu me manques plus, mon mari. Je suis impatiente de te revoir. Ça me fait pas très bien de vivre très loin de toi. Ah, peu importe. Je compte déjà dormir. On parle demain, ok? Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Ma loulou. Je t'aime, bébé. On se verra très bientôt, ok? Toi, va dormir. On se parlera demain. Ok. Bye bye. Je t'aime. Lou. Bye. Ah. Cher investisseur.
Maman? Maman? Maman, dépêche-toi, non, tu es celle que j'attends. Chidiog. Maman? Hein? Bienvenue. Chidiog. Maman? N'est-ce pas que c'est ça en m'épargne? Oui, oh. Qu'est-ce que tu fais avec? Maman? Hein? J'ai dormi. Hum? Juste à côté de ton lit. À mon réveil, j'ai vu ta vieille valise. Je me suis dit, laisse-moi d'abord vérifier ce qu'il y a dedans. En ouvrant, j'ai vu beaucoup de pannes. J'ai constaté que ça fait une année que tu ne le portes plus. Je me suis dit, au lieu que ça reste dans la valise et que ça devienne usé, je réfléchis toujours business. Je me suis dit, pourquoi pas les vendre? Je suis certaine que nous ferons un très bon marché. Hey! Et que tu le perdes gratuitement. Chimo! Profitons-en pour gagner quelque qu'est-ce chose. Qu'est-ce que c'est, oh? Chidiogo, es-tu devenue folle? Regarde un peu, bouge comme ça. S'il te plaît, arrête. Hey! Chidiogo, qu'est-ce que tu as comme problème? Hey! Est-ce que tu vas bien? Maman, toi vraiment... Est-ce que ta tête tourne très bien? Vas-y, dis-moi! Ah, maman, tu sais que tu m'étonnes. Hein? Ici, nous parlons business. Nous ferons beaucoup de profits avec ces pannes. Maman, tu en as tellement beaucoup que ces autres pannes s'abîment pour rien. Ah. Maman, toutes ces pannes étaient dans la valise. Tu n'y pensais même pas. C'est soit ça s'abîme, soit ça devient usé. Et ça va devenir démodé. Personne ne va plus encore s'intéresser à les acheter. Allez, donne-les-moi, insensé. Es-tu une voleuse? N'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Hein, Chidiogo? Tu as le courage de prendre mes pannes dans la valise et sortir avec pour aller les vendre? Allez, remets-moi mes vêtements. Hein? Espèce de voleuse, n'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Donne-le-moi vite. Donne-le imbécile. Aux autres femmes... de le porter. Arrête de le bêtises. Pas ici, non? Tu ne le portes même plus. Hein? Puisque ça ne t'intéresse plus, vendons-le aux femmes qui aiment être à la mode, au lieu de les garder comme si c'était des matières précieuses. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec ma mère? Je ne la comprends plus. Quand on te demande de les porter pour que tu restes fraîche, tu n'aimes pas. Vends-le. Vends-le aux autres femmes. Tu refuses. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Puisque tel que tu es là, tu n'as même pas un franc. Profites-en pour avoir quelque chose. Tu refuses de comprendre. Maman, tu dois apprendre le business, oh. Tu dois apprendre à faire le business. C'est quoi ça? Ah, tu refuses que je fonde tes pannes. Mais quand moi j'ai fait un petit profit, tu es la première à les dépenser. Mon fils. Papa. Voilà la portion de terre dont je t'ai parlé. Ah. C'est exactement ce dont je parlais. Je sais que ce qui est à toi est à moi. Oh, bien sûr, tu es mon fils. Ah, ah. Papa de la vie. Donc tout ça est à toi? Oui, oui. J'adore ça. Très, très calme. Tu sais quelque chose? Absolument parfait pour la structure que je vais établir ici. Vraiment? Et tu sais comment je vais l'appeler? Investisseur étranger. Non, non. Tu dois ajouter Dosier, l'investisseur étranger. Ah ah! Dosier, l'investisseur étranger. Investisseur, oui. Papa de la vie. Dosier, l'investisseur étranger. Oui. J'aime bien ce nom. J'aime bien. C'est génial, papa. C'est vraiment énorme. Dosier, mon fils. Oui, papa. Quand allons-nous voir notre supposée belle-fille? Pas. Pourquoi veux-tu gâcher mon humeur? Tu viens à peine me montrer ainsi mon terrain sur lequel je pense bien construire quelque chose et tu veux le gâcher maintenant? Gâcher? Non, 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 non. Dosier? Non, s'il te plaît, mon fils, n'essaye pas, ne me gâche pas mon humeur. Je devrais t'amener faire un tour pour que le village entier sache que je suis ton fils et savoir qu'un investisseur étranger est de retour. Voilà que tu me parles d'une stupide fille. Allons-y. Non, mais qu'est-ce que ça veut... Papa, ne refais plus jamais ça. Mais non, il n'y a pas de mais.
Laisse-moi te faire faire un tour pas. Laisse que le village entier sache que l'investisseur international est de retour. Arrête de me parler d'une stupide fille. Vas-y, monte dans la voiture. Ma lollipop. Ma lollipop. Do. Dossier. Dossier. Hey. Depuis quand tu es revenu? Je viens d'arriver. Hey. Chidok, arrête-toi. N'essaie surtout pas de m'appeler. Écoute, je rentre à la maison. Une fois que tu auras fini avec lui, rejoins-moi là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a avec elle? Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu peux t'en aller. Son problème, c'est le soleil. Quand ça chauffe, elle commence à le perdre juste comme tu la vois. Mon ami, ça fait longtemps. Ma lollipop. Allez, arrête, tu es méchant. Laisse-moi, tu es méchant. Combien de filles que tu as appelées par ces mêmes noms? Ah, pourquoi tu parles comme ça? Y a-t-il une autre lollipop dans ce village? Dozy, calme-toi. Ah, depuis que tu as voyagé, tu m'as oublié. On dirait que je n'existais plus pour toi. Oh là là. Tu m'as même pas appelé un jour pour chercher à savoir comment j'allais. Rien du tout. Encore, j'ai cru que nous nous aimions. Encore une fois, je n'ai jamais cessé de t'aimer, moi. Ok, laisse-moi dire quelque chose. Apparemment, vous ne savez pas ce qui se passe à la cité. Une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus rien faire sans la loi du gouvernement. Tu fais un appel, le gouvernement le sait. Tu prends une douche, il le sait également. Tu reçois un appel, tout ce que tu fais, le gouvernement le sait. Donc imagine à quel point c'est souvent Attends, difficile. Dans la douche? Même sous la douche? Exact. Hein? Hey, non, jamais. Non, si je vais, je ne prendrai pas la douche. Je ne veux même pas oser. Do. Hein? Hé! Hey. Do, t'es sérieux là? Bien sûr, bien vois, sûr. Oh, non. C'est très méchant, non? Non, pourquoi? C'est méchant. Ah! Allez, ma lollipop. T'es plus gentil. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Tu m'as manqué. C'est juste que depuis que tu as voyagé, tu m'as oublié. C'est bon, ma lollipop. Je suis là maintenant. Je suis de retour pour investir en toi. Écoute. Je suis venu avec beaucoup d'argent. Un gros paquet d'argent. Tu vois cette bagnole? C'est l'une de ce que j'ai. Hey! Tu vois ce siège avant? Il n'est rien qu'à toi. Do, hein? Tu es revenu avec le fric. Beaucoup d'argent. Hey! C'est vrai ça? Un gros paquet d'argent. Hey! Attends un peu. Ça, c'est à toi. Ouais, ma voiture. Hey! Je suis fini. Hey! Lollipop. Vas-y, c'est bel et bien mon véhicule. Allez, vas-y. Il y a mon siège là devant, à côté monte de mon chéri. Monte dans la voiture, je t'en prie. Loli. Les gens de ces villages, vous n'avez encore rien vu. Oh. Venez, vous êtes où? Venez encore parler. Je suis là. Je Loli ne suis plus piéton. Oh. On n'est plus pareil. Nous ne sommes plus de la même classe. Laisse-moi entrer, mon Dieu. Igwe? Oui, Ono. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler, c'est naturel. La famille royale est comme un mouchoir blanc, béni dans une chambre sombre. Tout ce qu'ils voient, c'est vous. Alors, Ono, laisse-moi te demander, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Mon fils nous a déjà informé qu'il viendra d'ici là. Mais il continue toujours de me poser la même question, me faisant la même demande à laquelle j'ai déjà accédé. Ce sont vos peuples. Tout le monde aime leur roi. Ils ne veulent rien d'autre que la présentation. Et en quoi cela me concerne-t-il? Qu'allons-nous leur dire? Parce que maintenant là, ils deviennent impatients. Laissez-moi vous demander, votre majesté, où est le prince? Le prince héritier de notre royaume. Il doit rentrer, au moins pour être initié dans notre culture. Pour l'amour de Dieu, je suis encore en vie. Pourquoi être pressé? Il ne vient pas se mettre dans le trône de son père. Mais il doit au moins être préparé avant que le temps ne vienne.
Mon roi, les rituels doivent avoir lieu. C'est bon, Nohum. Je t'ai écouté. Je vais me rassurer qu'il rentre bientôt. Il a juste besoin d'un peu de temps pour se préparer avant qu'il ne vienne ici. D'accord, Votre Majesté. Très bien. Je dois te trouver quelque chose. Peut-être qu'on a mangé. Merci, mon roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Néné, réjouis-toi avec moi. L'argent est succulent. Né, l'argent est très bon. L'argent est bon quand c'est l'homme avec qui tu vis les dépenses sur toi. Et Dosier, le fait pour moi. Okay. Quoi? Devine. Tu sais que je ne suis pas bonne à deviner. Devine. Dosier est au point de m'amener en Amérique. Ma vie change. Je m'envole. La vie est belle. C'est comme dans un rêve, okay. Mais c'est la réalité. C'est bien pour toi. Oui, c'est vraiment bien pour toi. Mais tu dois être prudente avec lui. Il se pourrait qu'il s'est rapproché de toi juste pour avoir ce que tu as entre les jambes. Tu sais qu'il ment beaucoup. Donc, sois prudente. Écoutez-moi ce qu'elle raconte. Jalouse. Jalouse. Ce qui est entre mes jambes. Mais, si c'est pour avoir ce qu'il y a entre mes jambes, il en a le visa. Il lui accède comme il veut. Détrompe-toi. Qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi te dire, hein. Tout homme qui dépense de l'argent sur une femme, un homme qui peut faire claquer des billets de banque comme ça, regarde, un, deux, il n'y accède pas seulement. Il peut les tirer et mettre une autre à gauche, l'autre à droite. La voie est libre, express. Arrête de rêver, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi le compter encore. Mon Dieu, je ne crois pas à mes yeux. Non, c'est pas vrai. Je n'en reviens juste pas. Non, attends. Je le mets sur le congélateur, comme ça je vais bien le comptabiliser. T'inquiète, je ne te laisserai même pas toucher un billet. Sinon, tu risquais de le déchiqueter. Laisse-moi partir, oh. Jalouse. Réjouis-toi avec ce qui s'est réjouit, oh. Hey! Allô? Dosier? Allô? Oh mon Dieu! Oh. Ça, ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui! Ah, qu'est-ce que je peux faire? Ah. Pourquoi? Décroche le téléphone! Oh. Oh! Mon Dieu!
Eke baby. Eke baby. Ma copine de longue date. Délinquant, c'est quelle façon de conduire comme ça? N'importe quoi. Eke, comment tu vas? Mon ami, ça va? Bien. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas que je t'ai répondu? Tu me réponds comme une personne qui n'a pas eu une nuit paisible. Hein? As-tu fait des cauchemars la nuit? Chidioko, je t'ai déjà répondu. Ou soit tu allais être ravie si je me mettais à sauter juste pour te répondre. Hein, tu peux le faire. Tu peux le faire. L'essentiel, c'est que tu me répondes comme il faut. Bébé, regarde-moi, non? Tu es devant la fille en cache. Je profite de la vie. Dosier m'arrose comme pas possible. Prends le temps de me regarder, non, ma chérie Eke? Tu sais quoi? Devine. Monte en devinette. Chidioko, donc tu m'as arrêté juste pour me parler des dosiers? C'est insensé. Un coureur de jupons. C'est ingrat. C'est quoi ton problème avec lui? Eke, pourquoi tu n'es pas contente de moi? N'es-tu plus mon amie? Hé, hey, Eke, tu n'es pas censé te fâcher comme tu le fais. Je t'ai dit que Dosier est rentré particulièrement pour moi. Pour m'arroser, c'est sur ton ami qu'il le fait. Honte à toi. Après que Dosier t'ait abandonné pendant de très longues années quand il était à l'étranger, maintenant qu'il est revenu, te voilà bêtement courir dans ses bras. Honte à toi, stupide fille, crève la faim. Maintenant tu t'en vas, pourquoi? Reste là, non? Reste, je vais t'expliquer. Apprécie le bonheur de ton ami, pourquoi? Ces mêmes choses te localisent. La jalousie va te tuer, oh. Tu es jalouse parce que Dosier investit son argent en moi? Insensé. Que tu le veuilles ou pas, tu vas souffrir. Je suis devenue le champ d'investissement de quelqu'un. L'aide que tu es, regarde la stupide de fille. C'est par erreur que tu es mon amie. Tu aurais dit tes réjouirs avec moi. Par pitié, j'allais même penser à toi, te donner ne fût-ce qu'un petit rien pour que tu changes ta vie. Mais regarde comment la jalousie t'anime. Et rejette-toi de bonheur de l'autre, ça te fera gagner de temps. Stupide, insensé. Tu peux t'en aller pour toujours. Je me fiche de toi. Ah, enfin à la maison. Ma reine, merci, comment tu vas? Je vais bien. J'allais envoyer quelqu'un t'appeler, mais te voilà. J'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien, je voudrais juste discuter avec toi sur quelque chose d'important. Tu es au courant de ma consultation avec le médecin et tout ce qu'il avait dit. Il m'a encore appelé aujourd'hui pour me recommander d'aller doucement avec les choses, tu vois donc. Je pense que diriger le royaume et gérer les affaires ont eu une répercussion importante sur moi. Et alors j'ai pris la décision de céder les affaires à mon fils. C'est une très bonne idée, Votre Majesté, mais c'est un peu précipité. Pourquoi ne pas attendre son retour? Le business ne marchera pas s'il n'est pas là. Je comprends. J'ai vraiment réfléchi là-dessus avant de prendre la décision. Je peux toujours gérer les affaires à partir du palais, jusqu'à ce qu'il retourne. Ok. C'est bon. S'il te plaît, permets-moi d'aller dresser la table. Ouais, je t'en prie. Mais rassure-toi qu'il y ait l'ananas, s'il te plaît. Oh! Salut. Salut, chauffeur. Qu'y a-t-il, madame? J'espère que tu connais l'adresse que je t'avais donnée. Oui, je connais.
Maman. Oh, mon fils, mon fils. Maman. Je suis ravie de te voir. Mon grand frère. Regarde-toi. Maman, vous m'avez tellement manqué. Je suis vraiment content d'être à la maison. Voilà ma petite sœur chérie. Combien de fois t'ai-je dit que j'ai déjà grandi? Ok. J'abandonne. Tu es maintenant une grande fille. Oui. Tu m'as tellement manqué. Allez, dans mes bras, ma sœur chérie. Ouais. Viens là. Oh, mon grand frère. Ouais, c'est bon. Ne nous éternisons pas ici dehors. Entre à la maison, il y a votre père qui t'attend. Tu as grandi, vraiment? Toi. Oh, alors mon frère, raconte-moi. Je suis là. Vas-y, raconte-moi d'abord, s'il te plaît. Ton voyage, ça a été... Je ne vais pas préparer ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Peut-être, je le ferai demain. J'ai pensé que tu allais préparer aujourd'hui. Mais écoute d'abord, bébé. Nez. Ils sont maintenant partout dans ce village. Sais-tu que elle s'est mise devant la voiture, tournant dans tous les villages comme une princesse? Je sais. Je connais Chidogo très bien. Rien n'est dur entre ses mains. Je le sais. Elle viendra ici bientôt en pleurant avec les cœurs brisés. Hey, que baby. Hey. Ici, Oma. Chidogo, je vais très bien. Bon après-midi. Bon après-midi. C'est un très bon après-midi. Un après-midi très merveilleux. Au fait, je suis dans un bon état d'esprit. C'est pourquoi je te demande de... Tu peux garder cet argent. Tu peux l'oublier. Comme tu es incapable de le payer. Merci. Je savais que tu n'allais pas payer cet argent. Puisque tu as tellement une mauvaise foi que je suis certaine que tu n'allais pas le payer. Tu peux juste le garder pour toi. Chidogo, ne dis pas ça, s'il te plaît. Arrête-toi là. Dis juste merci. Merci. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Tu peux disposer. Je vais parler avec mon ami. Nkeshi, s'il te plaît, oh. Je vous laisse. Je ne te comprends pas ici. Où est-ce que tu vas? Je n'ai pas le temps pour des disputes. Je te verrai après. Allez, va-t'en, il y a des disputes. Regarde-la, insolvable. Chidogo, ici, c'est ma maison. Et tu sais que Isioma est mon amie. Tu ne peux pas la rendre mal à l'aise chez moi. Je n'aime pas ça. N'importe quoi. Est-ce que je lui ai demandé de partir? Est-ce que je l'ai chassée? Son attitude est due à son comportement. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle ne peut même pas dire un mot. Pardon. Isioma n'est pas ma préoccupation. Ce n'est pas pour elle que je suis venue ici. Baby, inquiet. Regarde bien mon sac, non, mon ami? J'ai mis du griffe, mon ami. Tu dois me respecter. Bien. Dis-moi, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette excitation? Tu es la seule dans tous ces villages qui restait indifférente à mon sujet. Va voir d'ailleurs comment les gens célèbrent le retour du prince Ogona. Un festival se prépare au palais. Je sais, mais je n'irai pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire ici à la maison pour ma mère, donc désolée. Nkechi, ce séjour avec les autres, c'est une grande preuve de foi que ton avenir sera aussi meilleur, Nkechi. Tu ne resteras pas dans la maison de ta mère jusqu'à ta vieillesse. C'est là d'ailleurs qu'il y a des opportunités, oh. Allez, viens, on y va. Nous allons rentrer avant que la maman ne revienne. Tu peux aller si tu veux. Je n'irai pas. J'ai beaucoup de choses à faire, désolée. Toi vraiment, hein? Je ne sais pas c'est quelle nature que tu as. Tu es tellement compliqué. Enfin, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je t'ai venue. Mon ami, Dieu me fait du bien ces derniers temps. Sois heureuse pour pourquoi moi. Pourquoi es-tu venue? Jamais. Je te demande, pourquoi es-tu là? Quelles sont les nouvelles? Mon dodo m'a demandé d'aller habiter en ville avec lui. Ah! Nkechi, c'est quoi ton problème? Je n'ai pas encore fini de te dire c'est pourquoi je suis venue, non? Ça ne m'intéresse pas. C'est juste la jalousie ou quoi? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Enfin, sache que je partirai demain. Au moins, tu es informée. Pour ton cas, tu peux rester cimentée au village. Encore une fois, bienvenue à la maison, fiston. Merci beaucoup, mère. Mon fils, je suis très contente
parce que finalement tu as fini avec les études et tu nous es rentré à la maison. Une année n'est pas une mince affaire. Tu as raison, mère. Tout le temps que j'ai passé dans cet endroit, mon cerveau n'a jamais cessé de me dire qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Franchement, mère, des fois c'était comme si je ressentais à chaque fois cet arôme. Oh. Et là, ça a juste l'air d'un rêve. Ah, Ogona, ça c'est des illusions. Mais Dieu merci, tu es finalement rentré à la maison. Tu vas manger, manger, manger jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Hein? D'accord, je suis ravie que tu sois merci, à la maison. Mère. À propos, quand est-ce que je vais rencontrer la fille que tu m'avais parlé au téléphone? On a rompu, mais s'il te plaît, ne me demande pas ce qui s'est passé. Je n'aimerais vraiment pas entrer dans les détails, ok? S'il te plaît. C'est bien. Je respecte cela. Merci, maman. Mais il y a une fille que j'aimerais que tu puisses la rencontrer. Je sais que tu vas l'adorer une fois que tu la verras. Je t'en prie, pas maintenant, maman. S'il te plaît, pas maintenant. Ne parlons pas de ça maintenant, ok? S'il te plaît, pas maintenant. Je t'en prie. Essaye juste d'oublier ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Elle va te plaire. Maman, s'il te plaît, arrête de parler de ça, ok? Oublie ça, je t'en prie, s'il te plaît. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais il y a quoi avec cette voiture? Madame, faut sortir, hein? Vite, 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 vite. Faut sortir, faut sortir. Vite, 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 vite. Ici, ici. Viens, 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 viens. Je n'ai pas de temps à perdre, donne-moi mon argent. Est-ce que tout va bien? Comment tout peut aller bien? C'est quoi ce genre de questions? Regarde la voiture. Désolé. Je n'irai plus, donne-moi mon argent. Mais ça, c'est au fait nulle part. Ça, ce n'est pas nulle part. Regarde, la forêt, partout, partout ici. Ça ne peut pas être nulle part. J'ai dit que je n'irai plus. Donne-moi mon argent. Es-tu sûr? Sûr à propos de quoi? Écoute, c'est comme si tu n'arrives pas à comprendre, hein? Regarde, va tout droit. Tu vois là-bas? Va tout droit, hein? Tu verras les gens de Oumouzé là. Demande-leur, ils Mais te diront. Mais tu venais de me dire à... Qu'est-ce qui se passe? Hey! Tu penses que je suis en train de blaguer, hein? Viens prendre tes bagages. Qu'est-ce que tu fais? Selon toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Es-tu aveugle? Hey! Oya, prends tes bagages. Commence à partir. Tout celui que tu verras en route, demande-lui. Où est Oumouzé là? Donne-moi mon argent avant que je n'oublie. Dépêche-toi. Vite, 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 vite. Dépêche-toi, non? Ah! Hé, hey, attends! Waka! Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Hé! Hey! Pourquoi tu n'as pas pitié? Hein, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas d'internet? Oh mon Dieu! En t'écoutant, je peux dire que tes idées sont excellentes. Bien, tu sais que je n'avais jamais pensé à de telles propositions avant maintenant. Mais tu dois savoir qu'ici au Nigeria, nous sommes très sceptiques envers les étrangers qui débarquent de nulle part et viennent juste comme ça devant nous. Je ne te blâmerai pas, papa, de t'intéresser beaucoup à ça. Mais crois-moi, j'ai envoyé plusieurs hommes travailler pour la compagnie Blue Chip. Et rien ne nous empêche de connaître le succès. Bien, tel que nous l'avons dit au bureau,
tu ne peux que continuer à faire du bon travail. Merci, père. Le père et son fils, tous les deux, vous buvez seul. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'être dérangé par d'autres personnes. Mère, tu ne nous déranges aucunement. Nous ne faisions que parler de business, rien de plus, maman. Je sais. Bien, ça c'est vrai, mon fils. Peux-tu croire que ta mère a fait des années sans pour autant me visiter dans mon bureau? Je sais, mais vous savez très bien que je suis nulle en affaires. Mais si par hasard l'envie m'est venue, j'apprendrai une ou deux choses et je saurai quoi faire. Je te crois. Mais c'est pas pour ça que je suis ici. J'espère que tu es dispo pour recevoir Lydia, la fille dont je t'avais parlé. Ah oui, Lydia, oui, oui. Mère, je n'ai vraiment pas la tête à me relancer dans une quelconque relation actuellement. Ah. Écoute, mon fils. Tu n'es pas seulement mon fils, mais tu es un prince. Et c'est très important. Aucun prince n'a été présenté comme héritier du trône sans sa femme à ses côtés. Tu n'en feras pas une exception. Papa, ne gâchons pas ce moment à cause de ceci. Je t'en prie. Mère, ça me revient maintenant. Tu étais supposé aller à un événement aujourd'hui même. Qu'est-ce qui se passe? As-tu changé d'avis? Oui, j'ai changé d'avis. J'irai juste rendre visite à mon ami. Ok. Oh, tu t'en vas déjà? Oui, père. Je vais rendre visite à un ami qui est revenu de la Nouvelle-Zélande hier. Je vous reverrai tous les deux au dîner. D'accord. Promis, mère. Mon roi, qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons? Honnêtement, je n'en sais rien. Si tu me demandes, à qui vais-je demander? Ça devient très perplexe. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Es-tu sûr que c'est ton droit et sauf? C'est ma première fois de vivre ce genre de choses. Lollipop. Arrête Lollipop. Avec ces Lollipop. Fiche-moi la paix. Hey. Lollipop, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Hein? Je ne m'attendais vraiment pas à cette attitude là-bas, hein? Voyons, ces gars sont mes amis, je ne faisais qu'essayer de les aider, je ne juste faisais qu'essayer... Dossier, juste quoi? Ils sont tes amis. Ils sont tes amis, tu dis. C'est pourquoi tu dois prendre tout l'argent qui est dans ta poche et les donner. C'est ce que les gens qui viennent de l'étranger ont l'habitude de faire. Dépenser de l'argent sur n'importe qui, au nom de l'amitié. Ce n'est pas du tout normal. Loli. Ne m'appelle pas Loli. Laisse-moi. Allez, Lollipop. Donc quelqu'un est censé faire quelque chose pour moi avant que je ne puisse le bénir, avant que je ne lui donne mon argent? Hein? Je suis un investisseur et Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoute ce qu'il dit. C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Hein? As-tu perdu tes sens d'oser? As-tu perdu tes valeurs traditionnelles? Dieu aime ce qui donne avec joie. Signore l'idée cachée qui est derrière ces passages bibliques. Il est écrit qu'il n'y a pas de nourriture pour les paresseux. Dosez toi ces gars, vous êtes pareils. Ils ont les mains, ainsi que le pied. Tu les as quittés, tu es allé à l'étranger pour te faire de l'argent. À ton retour, tu les trouves dans leur situation de départ. Et tu commences à le dépenser sur eux. Encourage-les à travailler, laisse-les aller travailler, dosez. Ils sont des hommes. Même moi qui suis une femme, Chidogo, je fais du business. Puisque ce business implique de l'argent, je continue de le faire. Et à combien plus fort eux, qui sont des hommes, ils sont paresseux. Ha! Lollipop. Au but d'abord, c'est Lollipop. Ha! Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Ce que je leur ai donné n'est rien comparé à ce que j'ai. C'est pourquoi tu t'es décidé de les dépenser autant comme tu le fais. Dosier, ouvre bien tes yeux. Puisque tu ne veux pas ouvrir grandement les yeux, ils te les ouvriront. Mais moi, Chidogo, je ne te laisserai pas faire. Pas question, jamais. Même si moi commençais à les faire palabre sous tous les arbres du village pour commencer à commérer à mon sujet, je ne me lasserai pas. Moi, Chidogo, je dois te guider devant ces villageois. Tu n'as qu'à m'écouter. Je ne suis qu'un investisseur étranger. Je peux le dire encore.
Ok, appelle-moi investisseur. Allez, arrête avec ça. Lollipop. Non, pas Lollipop, je suis fâchée. Ok, appelle-moi l'investisseur et laisse-moi te bénir. Appelle-moi investisseur étranger, laisse-moi te gâter un peu. Ah, Dodomo. Dodomo, l'investisseur étranger. Ma banque ambulante. Dodomo, l'investisseur étranger. Tu vas me tuer. Tu ne le dis pas assez fort, pas Dodomo, assez fort. Dodomo, l'investisseur étranger. Continue de le dire, continue, Dodomo, vas-y. Dodomo, et c'est lui qui a résolu le problème d'argent dans la vie. Attends, mon investisseur étranger. Je crois que étranger. Tu as sous-estimé mes capacités. Tu vas me tuer. Voir ce que je vais faire. Chimo. Voilà. Dollar. Domo. Ah, doucement, appelle-moi juste l'investisseur. 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 Chérie, ce n'est pas que je t'interdis d'arroser les autres personnes avec le billet d'argent, mais c'est seulement, hein, je veux que tu les canalises, hein, à autre chose. Puisque les gens sont ingrats des natures, sache comment tu prendras avec eux. Hein? Mon bonheur, mon trésor. Crois-moi, mon cher. Plein. Tu es terrible, mon pote. Hein? Je te dis, mon cher, faut me croire. Tu es terrible. Ah, en tout cas, tu avais raison, franchement. Oui, tu avais raison. Ah, oui, je te dis. Faut pas trop parler. Directement. Tu as raison, mon cher. Faut pas trop parler. Et surtout, excusez-moi. Le plus important. Excusez-moi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer cet endroit? Hey. Oui, tu es sur la bonne route. Va tout droit comme ça. Hein, c'est le village qui suit. Ok. Oui, le village prochain, sur cette route. Si je continue, je verrai cette oui. adresse. Oui, oui. Juste va comme ça tout droit. Okay. Comme ça, hein, le village okay. prochain. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Je vous en prie. Assieds-toi. Non, s'il te plaît, arrête de la regarder. Assieds-toi. Assieds-toi, mon cher. Parlons. Je me sens finie maintenant. Par où je vais commencer maintenant? Hé, hey, s'il vous plaît, mais c'est avec vous que j'étais de l'autre côté, non? Écoute, si tu oses parler, nous allons te tuer et t'enterrer ici. Hé, hey, n'ose pas parler, ferme-la. Tais-toi. Si tu oses crier, tu vas disparaître. Hein? Mon ami, elle pense qu'on blague, oh? C'est une viande à bouffer, oh? Oh, allons-y. Allons-y, mon cher. Oh. On ne peut pas la laisser partir sans goûter cette chose-là entre ses jambes. Oh, ah, oh, ah. Attends. C'est écoute, une blanche, oh? On doit fuir ici, mec. Écoute. Écoute, mec. On doit fuir ici avant qu'elle n'appelle qui que ce soit. Mec, allons-nous-en. Toi, je te trouve suspect. Nous avons déjà tout ici. Sérieux, mon ami? Je t'ai soupçonné. Allons-nous-en. Hein. Oui, allons-nous-en.
s'il te plaît, ne me fais pas du mal, je t'en prie. Eh ben, j'ai pas l'intention de te faire du mal. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Il y a des jeunes gens qui m'ont volé ma valise et tout ce que j'avais. Ils sont partis. Je ne sais plus où aller. Toi aussi, qu'est-ce qui t'a ramené jusqu'ici? Dis-moi. Je suis vraiment désolée pour ça. À propos, connais-tu le nom de la famille que tu es venue rendre visite? Non, j'avais un papier avec moi de l'adresse. Ils l'ont pris. Et où? Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Oh, s'il te plaît. Je ne sais où partir. Oh, suis-moi. Non, je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Veux-tu rester ici et attendre qu'ils reviennent pour te voler encore à nouveau? Non, s'il te plaît. Dans ce cas, suis-moi. Mon père est un ancien. Il va sûrement t'aider à retrouver les gens que tu cherches. Peut-être. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. On y va. Mon nom est Ketty. Ketty, Ketty. N-K-N, Ketty. Ketty. Moi, je m'appelle Louise. Louisa? Louise. C'est un joli prénom, c'est bon. On y va. Nawao. C'est comme je le disais. Lydia est une étudiante en médecine. Elle a un bon comportement et elle vient d'une famille respectable. Sa famille n'a pas besoin des présentations. Tu sais, quand on partait souvent rendre visite à sa famille, il y avait... Ugona, tu vas bien? Je vais bien, mère. Juste un petit... Bien. Ces problèmes devront attendre. Parce que maintenant, tu vas lui faire le tour du palais et tout lui montrer. Ok? Lydia. Oui, votre Tu iras faire le tour avec lui. D'accord. Tiens-le. Tiens-le à la main. Lydia, vas-y. Waouh, un très beau couple. C'est bien. Tu sais, j'ai pris le temps d'investiguer votre royaume. Et je suis surprise de voir comment c'est puissant et riche. Oui, c'est vrai. Votre royaume est béni de grandes personnalités, aussi avec des ressources naturelles. Et bien évidemment, avec un grand peuple. Est-ce que tu vas bien? J'espère que je ne t'ennuie pas. Non, 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 non. Ton histoire est merveilleuse. Es-tu sûr? Sûr, tu es une merveilleuse personne. Mais j'ai une urgence à traiter au bureau, maintenant même. Maintenant même? Oui, immédiatement même. Pouvons-nous le faire un autre jour? Ok, pas de problème. Je te le promets, je te ferai faire ce tour. D'accord. Garde, ouvre-moi le portail. Maman, j'ai besoin du temps avant de faire les choses. Je sais que c'est un garçon intelligent, mais je ne veux pas précipiter les choses. J'ai besoin du temps pour les connaître. Le jeune d'aujourd'hui. Écoute, à notre époque,
Personne ne nous donnait ce genre d'opportunité. L'occasion de faire les choix, personne ne le faisait. L'homme venait à la maison pour demander ta mère en mariage. Et tes parents t'ordonnent de l'épouser. Quoi? Oui. Ça, ce n'est pas le mariage, c'est l'esclavagisme. Je ne suis pas l'esclave de ton père. Je me suis mariée à ton père. Et nous avons eu deux enfants, ton frère et toi, jusqu'aujourd'hui. Pas de querelle, pas de disputes, pas de bagarre, rien du tout. Oh maman, s'il te plaît, arrête. Peut-on changer de sujet? Nous n'allons pas finir ce sujet aujourd'hui. Et pour parler de quoi? Parlons de mon prochain vacances. Vraiment? Vas-y. Tu es vraiment incroyable. Oh, mon fils? Bonjour, mère. Bonjour, mon fils. C'est comme si tu sors. Exact, mère. Ah, j'aurais voulu discuter avec toi. Ok. Merci, mettons-nous. Je te promets que je ne serai pas longue. Mon fils, tu n'as absolument rien dit à propos de Lydia. Lydia? Oui. La fille que je t'avais présentée. Je croyais qu'en ce moment, on pouvait déjà mettre l'annonce du date de mariage. Mère, pourquoi ne nous laisses-tu pas le temps de nous connaître un peu plus? C'est comme attendre une éternité. Ça a déjà pris beaucoup de temps, mon fils. Mère, on n'est pas un jardin d'enfants. Peut-on en parler une fois que je serai de retour, s'il te plaît? Ok. Vas-tu revenir avant les dîners? J'essaierai, mère, mais je dois y aller maintenant. Je t'attendrai. Luisa? Eh? Oh mon Dieu, mais où est passée cette fille? Luisa? Eh, eh. Regarde-toi. Tu es très belle dans cette tenue. Ça te va? Merci. D'accord. Non, en tout cas, je ne me sens pas confortable avec cette tenue. T'inquiète pas, tu vas t'y habituer bientôt, ok? On y va manger, viens. Ouanyoma. Lave tes mains, mon Jean. Que je lave mes mains? Oui, lave tes mains dans le bassin. Ok. Oui. Je vais aussi laver le mien. Mangeons. Qu'est-ce qui se passe? Cette nourriture est étrange. Oh. Ça, on appelle ça ofe onum. Faites avec l'huile de palme, on a ajouté un peu de pâte d'arachide et les poissons fumés. Goûte, c'est très délicieux, ma chérie, je t'ai dit, goûte seulement. Tu appelles ça ogudu? J'ai pas parlé d'ogudu. C'est pas ogudu, c'est ogiri, ogbei. C'est très bon. Ok. Mange. Je vais t'apprendre comment faire. On mange. Tu me regardes? C'est très bon. Oh. Oh. Tu veux dire que tu manges ça de la sorte? Tu me poses beaucoup de questions. Essaye, goûte et tu verras. Vas-y. Vas-y. Que je mange? Mange, tu vas aimer. Mets dans la bouche. Ça coûte, n'est-ce pas? Ah, ça pique. Tu as mis beaucoup de piment.
Ah, il n'y a pas de piment. J'ai pas mis du piment. J'ai pas la piment pour le piment. Je t'avais dit que j'ai mis du okodo. Toi aussi. Laisse-moi manger. Ça se voit que t'as pas envie de manger. Je vais manger et finir ça. Parce que c'est très piquant, je vais plus manger. Arrête, arrête de dire ça parce que j'ai pas mis du piment. C'est placé au fourneau. Et au fourneau, donc on ne met pas du piment dedans. Non, désolée, je ne peux plus le manger. C'est très piquant. Je te trouve pas quelque chose plus tard, mais pour l'instant, je n'ai rien à te dire. Désolée. S'il te plaît, goûte ça. C'est la viande. S'il te plaît, je ne saurais plus le manger. Mais nous n'avons pas ce que tu veux dans ces villages. Ah non, je ne saurais plus. C'est ce que tu cherches, nous n'en avons pas dans ces villages. C'est bon, je ne saurais plus le manger. C'est très piquant. Je ne saurais plus, s'il te plaît. Laisse. Tu aurais dû quand même manger, ou? Hey! Les hommes sont méchants. Tu veux dire qu'il t'a volé tout cet argent? Cette somme d'argent? Oui. Hey! Attends, c'est quoi le nom de cet homme qui t'avait pris cet argent? Dawson. Dawson? Est-ce le nom d'une personne, d'un animal ou d'une chose? C'est ça son nom. Yeah! C'est quoi son poste nom? Les noms que tout le monde peut reconnaître. Tout ça a été écrit sur le papier que j'avais perdu. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il arrête de parler avec moi. Ha! Ça devient compliqué, oh. Bien. Je vais t'aider à faire le tour du village pour savoir si quelqu'un revenait de l'étranger portant le nom des Dozier. Et plus tard, on saura si peut-être tu pourras te rappeler d'une ou deux choses. Dans son guai. Juste, commence à réfléchir, hein? Peut-être que tu vas te rappeler. Oui. Mm-hmm. Merci beaucoup, Nkechi. Oh, c'est pas grave. T'inquiète. Je vais t'aider. Tu vas bien? Oui. Je pensais... J'avais vu quelqu'un qui lui ressemble. Mais ce n'est pas lui. Continuons la marche. D'accord, c'est comme je le disais, je vais faire de la bacha pour toi aujourd'hui. Je vais mettre du oba, anyara, oboroko, du piment et du poisson fumé. Tu vas adorer. Oh, j'espère que tu ne mettras pas beaucoup de piment. Luisa, ici en Afrique, on mange du piment, on adore du piment. Allons-y au marché. Salutations, mon prince. Salut. Baisse-toi et salue le prince de notre royaume. Pourquoi? Il n'est qu'un homme comme nous.
Je vous présente mes excuses, mon prince. Elle est une étrangère, elle ne connaît rien du tout. De notre culture, voilà pourquoi. Ce n'est pas grave. Je la comprends parfaitement. Merci. Quel est ton nom? Mon nom est Kechi Okoye. Mon ami s'appelle Luisa. Ah, j'ai oublié son poste nom. C'est déjà quoi ton poste nom? Ce n'est pas grave. Luisa, d'où est-ce que tu viens? De l'Australie. Bienvenue dans mon royaume. Je verrai comment vous inviter dans mon palais un jour. Merci. Qu'es-tu, n'est-ce pas? Oui. Es-tu par hasard parenté à Mazinandi? Oui, c'est mon père. Le prince connaît mon père. Il les connaît. Ce n'est rien, ce n'est rien. Suis-je sur le bon chemin vers la parcelle des Wanike? Oui, vous êtes sur le bon chemin. Continuez ensuite, vous prendrez votre droite. C'est là où il y a les panneaux de signalisation. Ok, merci. C'est ça. Merci infiniment. C'est bon, je vous en prie. Hé, hey, Luisa, ce que tu viens de faire maintenant, allez t'écouter une punition sévère. Luisa, à chaque fois que tu croiseras quelqu'un de la royauté, tu dois t'agenouiller et le saluer. C'est notre grand prince et c'est lui le successeur du roi. C'est un prince? Oui. De quel royaume? Ses royaumes. Nketi, je ne connais que, premièrement, le prince de l'Angleterre. C'est tout. Il est le prince du royaume de bananes. Quoi? Hé, hey, le royaume des bananes? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Attends, attends un peu. Quand tu étais arrivé dans ce village, est-ce qu'on t'avait dit que ce royaume s'appelle Banane? Respecte-toi et veille sur ta langue. Ne me cause pas d'embrouille. On y va. Faut plus faire ça. Tu sais quoi? Je vais préparer de la bacha. D'accord. Ok. Ça me revient. C'est quoi le nom du type qui t'avait volé? Dawson? Hein? Dawson! Je crois que je connais sa maison. C'est vrai? Oui. Allons-y. Ok. Qui est là? Obiora, où est ton voleur de frère? Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien. Va appeler ton voleur de frère. Dis-lui que sa femme de l'étranger est là. Sa femme, Ibo? Oui. Hey. Celle qui l'avait volé de l'argent. Le voici. Enfin, il est là. Vous, les hommes d'aujourd'hui, tout ce que vous savez faire, c'est aller à l'étranger et voler le pauvre fille. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas remettre cet argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de faire semblant? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas lui. Oh oh, je t'ai dit que mon mari n'était pas un voleur. Tais-toi! Luisa, je vois que tu as besoin des lunettes. Tu m'as parlé de Dawson. Lui, son nom, c'est Dawson. Tu vas remettre cet argent aujourd'hui, je voleur. Je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe ici. Reste loin de ça. Je m'en occupe. Ne te mêle pas de ça. Il va remettre ton argent aujourd'hui. Remets l'argent. Tu dois remettre cet argent. Hey, désolée, hein? Désolée, mon mari. Es-tu malade? Mon c'est mari, quoi ça? S'il te plaît, pardon. Laisse-la. Je suis désolée, hein. Tu vas aller sortir là. Vous êtes problème. Sortez. Partez, partez. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Sortez vite. Allez-vous-en. Sortez, vous partez vite. Sortez. Partez. Je reviendrai, c'est pas fini. T'occupe pas d'elle. Apparemment, elle ne maîtrise pas. Qui leur a ouvert le portail? Non, ce n'est pas moi. Oh. J'ai dit qui a ouvert le portail? Je ne sais pas. Bien, par rapport à la manière dont je te regarde, je remarque que tu as un problème. Est-ce à cause d'une femme? Tu es surpris. Comment l'as-tu su? Écoute, mon fils, c'est que ton père peut voir en étant assis.
Même si toi, mon fils, tu étais sur le baobab le plus géant, tu ne verrais jamais ça. Alors, qui est-elle? Elle n'est personne. Parmi les choses dont les membres de la famille royale ne font pas, il y a mentir. Mentir n'est pas une option pour la royauté. Dis-moi, qui est-elle? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Bien. Je t'accorde ton intimité. Quand tu penseras être prêt à en parler, je demeure toujours ton père. Tu peux venir me voir et en parler. En attendant, reviens à toi-même et pense de manière raisonnable. Oh. Vas-y doucement. Oh. Doucement. Désolée, oh. Tu ne dois pas être trop agressive. Mais de quoi est-ce que tu parles? N'est-ce pas toi qui m'avais dit que son nom était Danson? Je croyais que c'était Dubem. C'est pour ça qu'on était parti chez Dubem. Maintenant, tu me condamnes. Elle dit comme si c'était de ma faute. Inquiète-toi, tu es très têtu. Tu es tellement têtu. Hey, tu as cherché où aller faire les troubles et c'est la maison de Dubem que tu as trouvé pour aller faire tes troubles. Dubem qui possède une arme. Tu as de la chance. Tu as de la chance qu'il ne t'a pas tiré dessus. Il a une arme? Hein? Il a une arme chez lui. Il se promène avec depuis qu'il est revenu de chez vous. Mon ami a de la chance. Je suis sûre qu'il était de bonne humeur aujourd'hui. C'est pourquoi il n'a pas tiré sur toi. Ça t'apprendra. Tu as eu ta leçon. Désolée. Si mon téléphone n'était pas volé, j'allais seulement te montrer ces photos. Voyez celle qui me parle des photos après avoir reçu un coup à sa place. S'il te plaît, apporte-moi de l'huile sur la table. Que je l'applique, j'ai mal. Ok. Désolée. Désolée, ma chérie. Tu as failli mourir innocemment. Hey, tu as vraiment du courage. Tu oses aller défier Dubem. Vois le résultat. Je voulais juste... Allez, attends, attends, arrête un peu. Mon bébé appelle. Je voulais juste t'aider. Bébé, j'arrive, chérie, s'il te plaît. Je m'en vais, je suis désolée. Mon bébé est déjà dehors. Il m'attend. On doit aller faire le shopping. Je suis désolée pour toi, hein. Désolée, oh. Apprends à te maîtriser. Faut pas encore aller chercher des problèmes, ça et là. Bye bye, au revoir. Louisa! Où est-ce que ton amie est partie? Elle a un petit ami qui vient de l'étranger. Mais arrête de me poser de questions, s'il te plaît. Je ne suis pas prête de me rendre encore à une mission suicide. En tout cas, désolée, je n'irai pas. Je suis désolée, Nkechi. Je suis tellement désolée. Votre Majesté. Où est Ogona? Il était censé m'attendre ici. Nous partons à une réunion. Votre Majesté, il vient juste de sortir il n'y a pas longtemps. Il est sorti sans m'informer? Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler dans la chambre? Mes excuses, mon roi. Pour l'amour de Dieu, où est-il parti? Ogona! Ah ah! Mais où est-il parti, ce garçon? Salutations, mon prince. Je suis très ravie de votre visite. Salut, jeune fille. Comment vas-tu? Très bien, mon prince. Merci. Et où est Louisa? La voilà, elle arrive.
Lisa, salue-le. C'est le prince et c'est Kagenue. Oui. Mes salutations, prince. Salut, Louisa. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. J'aimerais te parler un petit peu. Je veux dire que c'est toi que je suis venu voir. D'accord. Alors dans ce cas, je vous laisse causer. N'oublie pas, tu dois être gentil. Sois gentil avec lui, cause calmement, ok? Sens-toi à l'aise. Tiens-lui compagnie, ok? Je vous laisse, bye. Salut, Louisa. Salut, prince. Comment vas-tu? Je dis que je vais bien. Et je dis que tu es vraiment très belle dans ce que tu portes. Tu viens? Lydia. Mes salutations, votre majesté. Je te salue aussi. Désolée de t'avoir fait attendre. J'étais retenue dans la salle des réunions. Il n'y a pas de problème, votre majesté. Au fait, je ne suis pas non plus pressée. Je profite de l'atmosphère. Oh, comment vont tes parents? Ils vont bien, merci. Et alors, Ogona, je croyais qu'il était là avec toi. Non, je ne l'ai pas encore vu. Au fait, je crois que je dois quand même lui signaler que je suis là. Vraiment? Donne-moi quelques minutes. Je suis désolé pour ça. C'est de la pure méchanceté. Comment est-ce que quelqu'un pouvait te faire une telle chose? Pourquoi n'es-tu pas venu en parler au palais? Je vous jure que c'était terrible pour moi. J'avais tout perdu. Je ne croyais pas que je pouvais être encore en vie jusqu'à ce jour. C'est compliqué pour moi. Je comprends ça. Je suis vraiment désolé pour ça. Je ferai de mon mieux pour retrouver tout celui qui a pu faire ça. Tu es vraiment un homme très gentil. Merci pour tout alors. Merci de le dire. C'est très gentil venant de toi. Ça ne ressemble pas à Ogona. Il ne répond pas à mes appels. Mais c'est pas grave. Mais je me dis que la chose qui l'empêche de répondre à mes appels doit sûrement être très importante. Ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de problème. Je peux toutefois l'attendre. Oh, tu es une très bonne fille. Merci, votre majesté. C'est pas grave. Mais nous pouvons nous tenir compagnie. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr que oui. Pourquoi pas? Ok, alors, dis-moi, le fait de te retrouver là-bas, comment tu te sens? Oh, par où je vais commencer, votre majesté? Commence n'importe où. Ton père est très furieux. Tu l'as laissé en plan. Tous les deux, vous étiez supposés assister à une cérémonie ce matin. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais juste allé voir quelqu'un très vite de manière à ce que je retourne à temps pour aller avec lui. Mais j'étais bloqué dans l'embouteillage. Est-il à l'intérieur? Dans sa chambre. Et Lydia aussi était là. Cette fille a la patience du chien. Tu lui as aussi fauché compagnie. Parle à ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, mère. Tu as besoin de boire quelque chose. Le reine ne prenne pas d'alcool. C'est un conte de vieille femme. Allez, allons prendre un verre, mère. Viens avec moi.
Luisa? Luisa? Lou? Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je n'avais pas entendu que tu m'appelais. Pas besoin de t'excuser. Tu l'aimes, n'est-ce pas? L'aimer? Je ne sens plus l'amour. Je sais qu'il est bon et très beau. Mais je ne veux plus tomber amoureuse. J'ai été déçue. Que veux-tu dire? Es-tu déjà tombée amoureuse un jour? Pourquoi tu me démontres? Je suis ici pour voir l'homme, celui que tu me racontes deux fois ici. Bien, j'étais tombée amoureuse une fois, mais il avait brisé mon cœur. Bébé, je t'en prie, pitié, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, nous sommes tous les deux dans ces problèmes. Tu dis quoi? Tu es dans quel problème? Tu es seule dans ces problèmes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je t'ai dit que je n'ai pas vu mes règles. Et je t'ai aussi dit que je ne suis pas prêt à rejoindre cette putain de partie. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu avais dit que tu seras toujours là pour moi. Tu seras là pour me défendre, mais... Ketchi, écoute-moi. Ouvre ton cerveau ainsi que tes oreilles. J'ai de l'inspiration et un rêve, un grand rêve. Et tu penses que la perte de tes règles représente quoi? Tosi, pitié, ne me fais pas ça. C'est moi ta Inke. Ketchi, pas ça s'il te plaît. Rappelle-toi de l'amour. Non, écoute-moi. Quand tu reverras tes règles, fais-moi signe. Tosier, s'il te plaît, j'ai plus envie d'en parler. Et alors le bébé? J'avais perdu mon enfant. Donc tu avais perdu les bébés? Oui. L'homme que tu viens de parler, peux-tu encore me dire c'est quoi son nom? Parfait. Pas. Je te reverrai plus tard, d'accord? Dosier, attends. S'il te plaît, viens. J'aimerais parler avec toi. Assieds-toi. Parfait, je t'écoute, papa. Deuxième homme. Oui, pas. Depuis que tu es rentré de l'étranger, on n'a jamais causé entre père et fils. Parce que tu es toujours en promenade. Tu es soit à l'est ou à l'ouest. C'est pas ça, hein? Tu dois aussi trouver du temps pour ta famille. Beau dosier, hein? Papa de la vie, je ne vois pas pourquoi tu te plains. Je suis ton fils, je suis là pour toi. Ces activités que je fais, je les ai faites il y a longtemps, c'est tout. J'ai juste besoin d'en finir, c'est tout. Ha. Dosier, le plus important pour toi maintenant est de trouver une femme et fonder une famille. Ah. Hein? Vous, les enfants de nos jours, ne savez pas que vous n'avez pas tout le temps du monde. Hein? Vous mettez de côté les choses les plus importantes pour suivre des futilités. Non! Prends ton temps et marie-toi.
Hein? Papa de la vie. Hein? Dossier. Tu n'as pas tout le temps, oh. Papa de la vie. Nekounou. Je suis investisseur. Je suis revenu à la maison pour investir. Et aussi longtemps que je n'ai pas fini d'investir, je ne pourrai pas penser à quoi que ce soit d'autre, désolé. Je me marierai, papa, mais dès que le temps sera venu, je te le dirai. Quand? Bientôt. Bientôt, tu dis? Très bientôt. S'il te plaît, je veux des précisions. Donne-moi des précisions. Papa de la vie, appelle-moi investisseur et laisse-moi te bénir. Hein? Appelle-moi investisseur. Ah! Laisse-moi investir dans ta vie, papounet. Hein? Voilà 100 dollars pour toi. Fais-en ce que tu en veux. Deuxième? Tout ça pour la tabac. Appelle-moi investisseur. Investisseur. Appelle-moi investisseur. Investisseur. Investisseur étranger. Investisseur étranger. Voilà mon nom. Oh, mon fils. Ne t'en fais pas. Ah, mon Dieu. Hey. Avoir un garçon, c'est bien. Oh. Ah, mon fils. Hey. Hey. Hein? Ne t'en fais pas. Relaxe-toi. Mon père va t'apprécier. Ma mère t'aimera également. D'accord. Ok. Oh, les voilà. Père, mère, j'aimerais vous présenter à mon ami. Vas-y, lève-toi. Louisa Newton. Elle est australienne. Louisa, mon père le roi et ma mère la reine. Salut roi, reine. Comment vous allez? Ravi de faire votre connaissance. Mère, pourquoi es-tu en train de me dire tout ça? Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Louisa est ce dont un homme a besoin. Cette femme est une femme blanche. Elle est blanche, Onyocha. Il est hors de question que tu puisses épouser une femme qui ne connaît rien de notre culture. C'est impossible. Au cas où tu aurais oublié qui tu étais, laisse-moi te les rappeler. Tu es le grand prince de notre royaume. Celui qui est prédestiné à devenir roi de notre royaume. Il est hors de question que tu puisses épouser une femme qui ne connaît absolument rien de notre culture. Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'amour, mère, l'amour. Depuis la première fois que j'ai vu cette femme, tout a changé en moi. Pourquoi n'apprends-tu pas à la connaître plutôt que d'aller aux conclusions? Écoute, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de ce royaume. Aucun roi n'a épousé une femme qui ne connaissait rien de sa culture. Qu'est-ce qui est arrivé à Lydia? Elle ne veut rien dire pour moi. Et d'ailleurs, quelle différence cela fait? Louisa est une femme. Elle peut apprendre nos langues. Elle peut apprendre notre culture. Elle mange notre nourriture, mère. Écoute, Ogona, je ne vais pas du tout laisser ton obstination détruire tout ce que ton père a construit. Mère, je t'en prie. Je t'en prie, mère. Je t'interdis de t'approcher de cette femme. Oh non, maintenant je suis vraiment fâché. N'est-il pas censé nous amener la fille qu'on a choisie pour elle? Pourquoi veux-tu nous amener la honte dans cette famille? Calmez-vous, votre majesté. Vous devez les gérer sans trop d'émotions. De quelle autre façon vais-je m'y prendre avec ça? Il a étudié dans de bonnes universités et il a grandi dans de bonnes conditions. Je ne lui demande qu'à suivre mes pas et non faire le contraire. Il y a une raison pour ses actions. Oh, bon. Appelez-le et essayez de parler. Chez nous, on dit, quand vous tapez un enfant avec votre main droite, vous le ramenez avec votre main gauche. Ugona n'est plus un enfant. Pendant combien de temps dois-je les dorloter? Mais une chose est sûre. Il doit beaucoup apprendre de son père. Juste guidez-les sur le bon chemin. Oh non, mais la direction qu'on lui demande de prendre, ce n'est pas celle qu'il est en train de prendre.
Salut, papa. Arrête-toi là. Alors, tu penses venir d'où comme ça? Je viens de te poser une question. D'où est-ce que tu viens? Oh, tu as grandi et tu commences à te comporter mal? Regarde-toi. Oh, si tu penses que cette attitude me poussera à approuver ton mariage avec cette femme qui vient de je ne sais quel pays, alors tu te trompes. Avec cette attitude, je ne le permettrai pas. Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonne-lui. Je vais causer avec lui. Tu ferais mieux. Je le ferai. C'est quoi ton problème? Es-tu devenu fou? Pourquoi n'as-tu pas assisté à la réunion, dis-moi? Tu agis comme une personne qui a pris de l'alcool. Mère, je suis fatigué. Bonne nuit. C'est la reine. Quelle reine? La reine de ce royaume. Je vous salue, ma reine. Ma reine, nous ne nous attendions pas à votre visite. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez en aucun cas vous attendre à ça. Estimez-vous heureuse, parce que je suis venue vous rendre visite. Mais ceci n'est pas une visite ordinaire. Je suis venue vous avertir. Peu importe le projet que vous avez derrière la tête, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, ma reine. Et toi, est-ce que tu comprends? Oui. J'ai entendu. Très bien. À propos, je voulais te dire quelque chose. Mon fils ne t'épousera jamais, peu importe ce que tu feras. Je ne vais pas accepter qu'une étrangère puisse me remplacer et devenir reine dans ce royaume. Pour ça, je te donne seulement 24 heures pour déguerpir de ce royaume. Sinon, tu regretteras d'être venu. Je vous en prie, ma reine. Pitié. Elle n'a nulle part où aller. Elle a perdu tout ce qu'elle avait parce que quand elle était arrivée ici, elle s'est fait voler. Oh, très triste. Tu t'es fait dérober? Oui. Oui. Oh. Mais ça ne change rien. J'étais dans 24 heures pour déguerpir. Sinon, tu vas les regretter. Ouvre-moi la portière. Pitié, ma reine. Ma reine. Oh, Seigneur, je vous en prie. Louisa. Louisa, viens. Oh, ma reine, pitié. Seigneur. Ma reine. Ah, ha, Dosier. Dosier. Oh mon Dieu. Hey, mon Dieu. Oh. Jésus-Christ. Regarde, Dosier. Dosier, comment vas-tu? Hey. Hey. Dosier. Hey, je suis contente pour toi. Hey. Hey. C'est vraiment toi. Ha. Je suis ravie les de te boss. Voir. Laisse-moi hey, te saluer. Dosier. Oh. Hey, attends, Dosier. Appelez-moi l'investisseur étranger. Oh, s'il te plaît. L'investisseur étranger. Hey, l'investisseur. Oh, les grands investisseurs. Ah. En tout cas, hey, l'investisseur étranger. Tu es le boss. Hey, investisseur étranger. Dosier. Ah, tu es terrible.
Qu'est-ce que tu fais? C'est toi! Les voleurs de mon argent! Tu as volé mon argent! Tu es un voleur! Laisse-moi! Tout de suite! C'est toi! Reviens ici! Voleur! Qu'est-ce que tu fais? Espèce de voleur! C'est lui! Qui est lui? C'est lui qui avait volé mon argent! C'est lui les voleurs dont je te parlais! Son nom c'est Chinozi, mais toi tu dis Do quoi? Dozen! C'est lui! C'est lui que je te disais! C'est lui le voleur! C'est vrai, Chinozi? C'est lui! Merde! Merde! Domo! Mon Domo! Où t'es-tu parti? J'ai tout cherché! Tu m'as beaucoup manqué! Chérie. Hé, tu dors. Je n'ai pas la tête à ça, alors laisse pas ton clé, je t'en prie. Laisse-moi de l'espace. Ah, c'est à moi que tu dis qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, tu dogo. Merde. Il n'y a pas de problème. Je te donne ton espace. Mais avant cela, chérie, j'ai besoin d'argent. Je dois changer ma coiffure. Ça fait longtemps que j'ai mis ça. Ça commence même à sentir. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce tu m'as entendu? J'ai dit il n'y a pas d'argent, compris? Ça, ce n'est pas toi. Chérie, s'il te plaît, donne-moi l'argent. C'est pas vrai. Tu vas aller où? Reste là. Donne-moi l'argent. Chidiogo, as-tu perdu tes sens? Est-ce que ça va avec toi? Tu viens de me pousser? Es-tu stupide? Moi, stupide? C'est moi que tu dis ça. Si moi je suis stupide, ça veut dire que toi tu es plus stupide que moi. Oh, tu t'étonnes? Tu es stupide. Quand tu me promettais les cieux et la terre, donc tu savais que c'était des mensonges. Ne me cherche pas des problèmes, oh. Tu dois assumer tes responsabilités. Tu ne me connais pas encore, hein. Tu crois que je suis stupide, hein? Tu verras mon autre face. Sais-tu ce que tu es? Tu es une folle. Une voleuse et une profiteuse. Voilà ce que tu es. Moi, une profiteuse? Regardez celui qui me qualifie de voleuse. Donc c'est toi qui es un voleur. C'est toi le plus grand profiteur, hein? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais à l'étranger, hein? Tu es un grand escroc, un grand frappeur. Tu voulais impressionner tout le monde ici, n'est-ce pas? Appelez-moi l'investisseur étranger. L'investisseur étranger. L'investisseur, c'est... Va en faire avec tes investissements. Peu importe, c'est le temps d'investir. Tu peux aussi aller investir à la police, tu auras tes intérêts. Investis dans ma vie, Dozier. Tu as promis d'investir en moi. Tu vas finir ce que tu avais commencé. Regarde-le. Regarde celui qui parle. Yaou, yaou. Zinzin. Menteur que tu es. Dozier, ne blague pas avec moi. Tu me donneras ma part. Au complet. Je te l'avais promis. Que si tu refuses d'ouvrir grandement les yeux, c'est d'autres personnes qui te les ouvriront. Dozier, c'est quand tu m'auras donné mon argent que tu verras. Tu crois que tu vas m'intimider? Dozier, tu ne me connais pas assez. Je vais investir la folie en toi. Je vais investir la folie en toi au point que plus personne dans ce village ne va te reconnaître. Ça sera l'enfer pour toi. Tu vas regretter le jour où tu m'as rencontré. Dozier, je vais avoir mes liasses. Je vais la voir au complet avant que je ne fasse quelque chose que tu ne vas pas aimer. N'est-ce pas que je te l'avais averti quand tu dépensais de l'argent sur tous les villageois? Regarde ses yeux. Yaou, yaou. Dozier, sors-moi les billets maintenant. Appelez-moi investisseur. Investisseur, mon œil. C'est très intéressant. Oh. Une ingénieure, elle fera une bonne reine. Belle et intelligente. Je te le dis. Merci, votre majesté. Salut, père. Salut, mère. Oh Gona. Ta mère et moi étions en train de parler de toi. Viens, rapproche. Tu es revenu? Allez-y. Ok. Nous avons une surprise pour toi. As-tu rencontré Ijoa? Oh, Ijoa est la fille d'un bon ami à moi. C'est ainsi que nous l'avons fait venir ici. Et elle est aussi... Ingénieur de profession. Oui, mon fils, nous avons compris que tu aimes les femmes grandes de taille, jolies et intelligentes. Exact. Ici, Oma ici présente fera une très bonne reine. C'est exact. Reviens ici. Ugona! Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Juste relax, ok? Tout ira bien, ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu malade? Es-tu fou? Comment oses-tu tourner les doigts à ton père? Mère, qu'aurais-tu fait à ma place? Je veux dire, pourquoi père et toi ne voyez-vous aucune raison en moi? Non! C'est plutôt toi qui refuses de nous comprendre. Nous avons trouvé quelqu'un pour toi. J'avais choisi une fille pour toi, mais tu l'avais rejetée. On s'est dit oui, d'accord. On s'est dit probablement c'est pas ses goûts. Nous avons choisi cette fille. Et tu as eu les toupets de tourner les dos à ton père. Alors laissez-moi épouser Louisa. Elle est la seule qui me rend heureux. Et où crois-tu aller? Maman, laisse-le. Il a besoin d'être calme. Maman, ne voyez-vous pas que vous le mettez mal à l'aise? Toi et papa, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Que veux-tu dire par là? On va le perdre. Laissez-le faire son choix. Père, tu sais que nous vivons dans un siècle où les couleurs de notre royaume ne sont plus importantes du tout. J'aime Louisa de tout mon cœur. Je ne veux que ta bénédiction pour faire d'elle ma reine. Alors écoute-moi, mon fils. Tu es le prince héritier du royaume d'Orato. De ce fait, tu dois être un exemple pour tout le monde. Épouser une blanche est certainement un mauvais choix. Elle ne reste pas dans le mariage. Et même si elle reste et font des enfants, elles vont fuir avec eux. Ce n'est pas le cas avec celle que j'aime, père. Je t'en prie, père. Personne ne me rendra plus heureux que Louisa. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Écoute, laisse-moi te poser une question. S'il faut que tu choisisses entre les trônes du royaume d'Orato et épouser cette blanche appelée Louisa, que choisiras-tu? Père, mon allégeance revient à mon trône ainsi qu'à mon royaume. C'est ça, c'est clair. Mais je choisirai Louisa, si ça doit en arriver là. Sérieusement, il vous l'a dit? Oui, c'est mon unique fils. Si j'avais deux fils, j'aurais peut-être choisi l'autre là pour qu'il devienne roi. Oh non, dis-moi, qu'est-ce que tu me suggères dans cette circonstance? Honnêtement, je n'ai rien contre cette blanche. Mais c'est important que nous puissions consulter les dieux de notre terre. Bien, j'avais aussi pensé à ça. Bien, je ne lui ai donné aucune réponse. Pour que je ne tombe pas sur une décision qui pourrait lui faire mal ou faire du mal au royaume. Je pense que ça ira. Maman, Ogoma a été un homme de son genre. Après tout le monde est libre de rester avec la personne de son choix. Je suis ravie parce que tu as dit tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es de la royauté. Et tu ne peux pas faire ce que tout le monde font. Le mariage de ton frère avec cette sorcière blanche ne se fera pas. En tout cas, pas tant que je serai en vie. Maman, tu es en vie. Et tu seras toujours en vie pour voir tes petits-fils, tes arrière-petits-petits-fils. Iseo, mais je ne veux pas de petits-fils venant de cette femme blanche. Maman, ils seront toujours tes petits-enfants. Arrête ça, maman. C'est le choix de Ugona. Ne le déçois pas. S'il te plaît. À propos, où est passé ton frère? Lou? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour. Lou. Lou, je sais que je t'ai offensé. J'ai honte de moi, mais je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je suis désolé. Lou, je suis vraiment désolé. Souviens-toi,
Souviens-toi du bon moment qu'on a partagé. Souviens-toi des promesses qu'on s'est fait l'un et l'autre. Souviens-toi à la famille qu'on s'est promis l'un et l'autre. Je suis là maintenant. Laisse-moi te donner cette famille de rêve dont on a parlé ensemble. Je t'en prie. Lou, je t'en prie. Je t'en prie, reviens à la maison, je t'en prie. Lou, je suis désolé, pardon. N'essaie surtout pas de commettre cette erreur. Qu'est-ce que tu fais? Ne permets pas à ce voleur d'être escroqué à nouveau. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Dégage! Escroc, c'est les rats. Je ne suis pas venu ici pour toi. Ça m'est égal. Tu l'avais trompé, je ne te laisserai pas la tromper à nouveau. Tu avais volé son argent et tu es revenu au village pour faire la fête avec Chidioko. Tu crois que je vais te laisser la tromper encore? Jamais. Tu ne la connais pas. Mais tu me connais, Elou. Toi et moi avons passé du temps ensemble, Elou. Tu me connais bien. Je t'aime, Lou. Je t'aime. C'était l'œuvre du diable. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais crois-moi, je suis là et je vais mieux. Lou? Lou, je t'en prie. Je t'en prie, Lou. Parfait. N'écoute pas ces voleurs. Lou? Lou? Lou, Lou? Voyez-moi cet idiot. Lou, chérie. Et Lou, chérie. Lou? Lou, mon œil. Dégage de chez moi. Va-t'en. Voleur. Voleur, tu croyais que tu allais encore l'escroquer? Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne pensais pas que tu pouvais être intéressé. Dawson était... Tu veux dire dossier? Bien. J'avais perdu mon passeport et tout. Sinon, j'allais déjà rentrer chez moi pour tout oublier. Tu sais quoi? Ne t'en fais pas. Je suis là maintenant. Et souviens-toi. Ne sors plus jamais toute seule. Tu comprends ça? Bien sûr. C'est très bien. Où crois-tu aller? Où est l'argent que j'avais gardé par ici? Où est mon argent? Où est mon argent? Tu ton argent? Tu refuses de me donner mon argent? Tu refuses de me donner mon argent? Laisse-moi tranquille. Ok. Tassé, tu m'as frappé. Tu m'as frappé. Attends, tu verras. Approche ici, tu verras. Où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent, sorcière? Tu refuses de me donner mon argent? Tu refuses de me donner mon argent? Tu refuses de me donner mon argent? Toi, sorcière, tu refuses de me le donner. Tu refuses de me le donner. Tu vas quitter cette maison. Tu vas partir de cette maison. Après tout ce que j'ai investi en toi, malgré tout ce que j'ai investi en toi, sorcière, bandit, tu es une sorcière. Vagabond, tu es une sorcière. Maman. Nous sommes au 21e siècle. On n'a plus le temps de faire la discrimination des races ou autre chose. Ugoma est assez grand pour choisir la personne avec qui il veut rester toute sa vie. Je vois que tu ne comprends toujours pas bien. Laisse-moi t'expliquer. Ugoma n'est pas seulement qu'un prince, mais il est celui qui va remplacer le roi sur le trône. Il est le fils aîné de ce royaume. Il est hors de question qu'il ne puisse bafouer la tradition dont tu l'es supposé protéger. J'espère que vous n'allez pas aussi me pousser à faire une erreur que je vais regretter toute ma vie. Myriam, en tant que vos parents, nous ne pouvons jamais vous égarer. Notre devoir est de vous guider sur le droit chemin. Hein? Et qu'est-ce que veut dire ceci? Mon nom est Dawson, l'investisseur étranger.
Reste loin de ma loulou. Loulou, tu veux dire Louisa? Une femme que tu as refusé d'aimer ne serait-ce qu'un peu? Et d'ailleurs, tu es si inférieure pour embarrasser le nom de ce royaume devant elle. Écoute, je ne suis pas venu ici pour échanger des mots avec toi. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'es qu'un prince, couronné de ce royaume, gavé des servants, et que sais-tu à propos d'aller à l'étranger pour fournir tes propres efforts? Je ne te le dirai pas deux fois. Reste loin de ma loulou. Est-ce là une menace? Ce n'est pas une menace. Je ne fais que te prévenir. La prochaine fois que cela va arriver, je ne serai pas cet homme que tu vois devant toi. Voilà, on y est presque. Ferme bien tes yeux, hein. Vas-y, tu peux les ouvrir maintenant. Une enveloppe? Prends-la. Mon passeport? Comment tu l'as retrouvé? Écoute, mec, hein, écoute. Tu as déjà pris, non, hein? Sois calme, mec, sois calme. Garde, écoute, ne me parle pas comme ça. C'est quoi ces bêtises, non? Hein? C'est pas de ta faute. Regarde, ne m'énerve pas, ne m'énerve pas. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Tu vois ce passeport qu'il y a à l'intérieur, là? Si je l'amène à l'ambassade, directement, on m'arrête. Facilement comme ça. Écoute. Bon, il est là, il est là. L'affaire va finir aujourd'hui. Hein, on finit tout aujourd'hui. Laisse-moi gérer. Bonjour, mon prince. Bonjour, mon prince. Salutations. On m'a dit que vous vouliez me voir. Oui. Nous pensons avoir quelque chose dont vous avez besoin. Ok. Est-ce que je peux l'avoir? Mon prince, nous allons vous donner, mais on aura besoin de 100 000 naira. Je ne peux payer pour ce que je n'ai pas encore vu. Alors, ça vient ou pas? Mettez-les dans mon coffre. Hey, mon prince. Mon prince. Louisa, je suis très contente pour le prince et toi. Je suis certaine que tu feras une très bonne reine et tu représenteras ce royaume valablement. C'est vrai. Oui, Louisa, je suis très contente pour toi. Je suis contente que tu aies retrouvé tous tes documents. C'est vrai. Je suis contente pour toi. Merci beaucoup à vous deux. Nkechi, Ishoma... Qu'est-ce que j'allais faire sans vous ?
y a toujours une raison à tout. Vous savez quoi? Quoi? Tidjorgo et Dosé sont maintenant devenus comme le chien et le rat. Au moment où je vous parle, Dosé est à l'hôpital et je pense que c'est Tidjorgo qui avait brisé sa tête parce que cette fille-là est une sorcière. Cette fille stupide. Es-tu sérieuse? Tu me demandes si je suis sérieuse? Y a-t-il un truc qui se passe sans que je ne sois au courant? J'avoue. Tu es au courant de tout? Non. Elle est déjà en route, hein? Je l'ai appelée. J'espère que tout va bien. Nous bénissons Dieu. Et comment évolue le business? Le business est là. Je pense que ça évolue parce que je ne me plains pas, voilà. Je vois même ta voiture. Ça évolue très bien. Elle est là. Non. Hein, Tidjorgo? Boy. Chi. Tu es là? Oui. Et... je t'ai vu. Maman, qu'est-ce que tu dis? Hein? Il me cherche. Pourquoi? Tidjorgo, s'il te plaît, calme-toi. Okachuku qui est ici a dit qu'il est maintenant prêt pour te prendre en mariage. Alors, je t'ai appelé ici pour que tu donnes ton aval. Comme ça, il va rentrer pour informer ses parents. Ils vont venir. Oui, exact. C'est qu'il est en train de dire la vérité. Ah boy. Mon Dieu, c'est comme si tu as oublié mon nom. Hein? Je connais bien ton nom, Aboy, Akochukou. N'est-ce pas qu'on t'appelle Aboy? Tu as quand même une bonne mine. Le vieux Aboy qui cherche son rajeunissement derrière les petites filles. Mon vieux, tu veux te ravitailler sur mon dos? Regardez sa boule de tête avec ses calvicies qui brillent. La fille la plus fraîche te touche sur la tête. Au lieu d'en profiter, tu fais des histoires. Maman. Maman, pourquoi ton visage est comme ça? Je suis pas fâchée, non? Aboy, est-ce que je suis en colère? Je suis cool. Aboy, mon vieux, un garçon gentil. Maman, ton mari n'est plus, n'est-ce pas? T'es une veuve, pas vrai? Tu n'as qu'à répondre. Hein? On sait que je sache. Tu es seule, sans compagnie, libre comme un poisson dans l'eau. Hein, maman? Enfin, je n'ai chassé personne de cette parcelle. Alors, Aboy, ta proposition de mariage est venue au moment opportun. Oh yo, maman, oh mwaka. Hein? Ce n'est pas moi que tu vas épouser. Ma mère est libre. Elle est disponible. Oui. Agatuku, est-ce que tu connais Dodo? Dodo, l'investisseur étranger. Et en quoi est-ce que ce nom me concerne? Il m'a déjà occupé. Donc je suis à lui. Sache qu'il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre ou une personne comme toi. Si quelqu'un veut avoir la définition de la pauvreté, il n'a qu'à venir te voir. Tu es la pauvreté en personne. La pauvreté incarnée. Tu oses venir demander ma main en mariage. M'épousez-moi, Tidjorgo, pour que je finisse dans cette caisse et que tu commences à me conduire comme dans un pousse-pousse. Non. Tu dois voir la marque de véhicule qui Mododo conduit. Tu dois voir la marque des carrosses qu'il roule. Tu sors je ne sais d'où avec tes propositions de malheur pour ramener ma vie par terre. Quel courage. Donne-toi du respect. En fait, relax. Je vais t'offrir le cola. Tu vas en profiter pour te détendre en attendant que Mododo fera son entrée. Quand mon investisseur étranger fait son entrée, tu vas sentir. Certes, c'est là que tu réaliseras ta pauvreté. Est-ce que tu me comprends? N'importe quoi. Épouse ma mère qui est compatible à toi, tu ne veux pas. Tu as le courage de m'approcher avec tes sales propositions. Je ne suis pas ton genre. Tidjorgo. Hein? Tu m'as appelé par mon nom? Okotuku, si tu oses encore mentionner mon nom dans ta sale bouche là, hein, je vais me rassurer de le fermer pour toi. Ok, je comprends. Puisque je te parle avec douceur, tu penses que tu peux me séduire? C'est parce que j'ai perdu ma voix, parce que ma voix est cassée. Si tu blagues encore avec moi, je ferai monter la tension. Je vois que tu n'as pas pitié de ta vie. Toi qui n'attends que la mort. Tu es déjà au terminus de ta vie. Tu ne sais pas que la mort t'attend? Insensé. Hey.
Hé, non, s'il te plaît, je t'en prie. Ne la suis pas. Hein? S'il te plaît, je t'en prie. Pas de problème, maman. La seule chose que j'aimerais de ta part est de lui parler. Fais-lui savoir que je suis réel. Et je l'aime tellement. S'il te plaît, pardonne-lui. Et je pense, et je crois que j'aurai une bonne maison avec elle. T'inquiète, mon fils. Ça va aller, hein? Votre Majesté, au début je pensais que c'était une mauvaise idée. Mais cet amour entre notre prince et la Blanche apportera un développement sûr dans notre royaume. Et à part cela, je suis très content que nous voyons quand même la partie positive de l'histoire. Honnêtement, sais-tu que je n'ai jamais vu mon fils heureux jusqu'à ce point? Je te le dis. Et je suis certain qu'elle fera une très bonne reine dans l'avenir. Nous allons toujours supporter la famille royale. Oh non, je dois te le dire sincèrement. Tu sais, ton soutien indéfectible a toujours été d'une grande importance parce que tu m'as aidé pendant toutes ces années. Nous t'en sommes infiniment remerciables, honnêtement. Écoute-moi très bien, je veux que partout soit propre. Oui, Votre Majesté, quand je parle de propre, cela veut dire nickel. Oui, Votre Majesté. Ok. Oui, d'accord. Tu peux partir. Qui est-ce? Excuse-moi, Ono. Excuse mes manières. J'aurais dû t'offrir quelque chose. Laisse-moi le trouver. Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Je ne sais pas. Ouvre les portails. Qui es-tu, jeune homme? Qui frappe comme un fou comme ça? Bonjour, Votre Majesté. Avec tout le respect que... Je veux une femme. Ta femme? Exact. Ma femme. Alors, c'est ainsi que c'était passé, Votre Majesté. Vraiment? C'est très triste. Je peux dire que tu as subi l'insupportable dans les mains de cet ingrat. Mais il a le courage de venir ici, sémant la confusion comme s'il n'avait rien fait? Ha, Dozier. Pourquoi? Tu as toujours été un bon garçon. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas fait ça. Je suis toujours un bon garçon. Et je suis même devenu mieux que ce que j'étais. Mon amour, Lolo, peux-tu dire à Ono ou ainsi qu'à Sa Majesté le genre d'amour que nous avions partagé? Dis-leur comment est-ce qu'on s'est partagé des grands rêves. Je suis ton investisseur, je ne peux dépenser ton argent comme ça, je l'ai encore intact. Votre Majesté, je n'ai pas... Lou? Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Mais pourquoi est-ce que nous continuons à discuter sur ces problèmes? Pourquoi ne pas aller les remettre entre les mains de la police? Qu'ils vomissent tout l'argent qu'il avait bouffé. Non, non, s'il vous plaît. Pourquoi, mon amour? Laisse la police se charger de ce type. Et toi, tu la... Ferme-la! Des gens pareils méritent d'être punis. Exact. Et comme ça, il pourra servir d'exemple à d'autres personnes. Ils sont nombreux dehors là. C'est ça. Votre Majesté, écoutez là, Lou, dis-leur, Lou. S'il vous plaît, Votre Majesté, j'ai vraiment apprécié. Mais je ne voulais pas du tout du prince. Maintenant, j'ai trouvé l'amour. Lou, tais-toi. Je ne voudrais pas que quelque chose gâche mon bonheur que je ressens. C'est toi que j'aime. Lou, tu as trop... Lou. Hé, viens. Allez, fais-le sortir. Sors d'ici. Sors-le. Lou. Hé, va-t'en. Sors avant que je ne t'envoie en tôle. Lou. Tu n'entends pas? Lou?
Bien. Non. Si c'est vraiment ce qu'elle veut, alors. Merci, votre majesté. Merci, la reine. Très bien. Combien de fois t'ai-je prévenu de ne plus remettre les pieds dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles de maison. C'est ces bicoques que tu appelles maison. N'as-tu pas honte de toi-même, vraiment? D'oser l'investisseur étranger. Après que tu aies investi dans la vie des autres, tu es incapable d'investir dans ta propre famille. Regarde là où tu habites. Hein? Ebo, Ebo. Qu'est-ce que je vois ici? C'est les garis que tu manges. Ta source ne produit plus rien. Hey! Dosier, dosier. Donc tu investis maintenant dans les garis. Hein? Garis est devenu ton champ d'investissement. Argo. Chidiogo. Je te préviens. Je te préviens sérieusement, ne me pousse Allez, pas. Allez, ferme ta sale bouche. Pousser qui? Écoute-moi, je ne me sens pas bien. Tant que je suis là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. A quand même plus forte me quereller avec toi. Hein? Bien, je suis venue t'informer que le seul investissement que tu as pu faire dans ma vie s'est manifesté. Dosier, je suis enceinte. N'ose même pas le nier. N'ose pas non plus mentionner l'avortement puisque je ne veux pas avorter ces bébés. Dosier, je ne le ferai jamais. Dieu me voit, sinon je t'enverrai à l'hôpital et tu ne seras plus en mesure d'y sortir pour vivre ta vie comme avant. Regarde ses yeux. Fais encore la bouche que tu faisais. Investisseur étranger. Investisseur étranger. Qu'est-ce que tu as investi de bien dans ma vie? Tu l'avais voulu. Je suis là avec toi, collé, cimenté. Regarde-le. Fausseur. Tu commences à manger les garis. Tu en payes le prix. Tiens-toi prêt à investir dans la vie de cet enfant. Je ne suis pas responsable de ta grossesse. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu oses le nier? Dosier, tu oses le nier? Je te ferai vomir ce garis qui a rempli ton ventre. Fais attention, je ne suis plus seule. Je ne vais pas crier. Je porte une personne en moi, je suis maintenant en double. Ne cherche pas que je le déverse sur toi, pardonne encore le matin. Laisse-moi juste te passer le message. Quand tu seras prêt, sache que mes parents t'attendent chez moi. D'accord? Il est temps pour toi d'investir dans le mariage. L'investisseur étranger, n'est-ce pas toi? Cette fois-ci, tu deviens investisseur local. Tu vas investir localement et tu le feras bien. Dosé l'investisseur, tu n'as plus où aller. Depuis que tu t'es devant, c'est dans cette dégarie. N'importe quoi.
Orato. Igwe. Merci à vous tous. Écoutez, je vais débuter par dire un grand merci à la troupe culturelle d'Orato. La troupe Igwe. Culturelle d'Orato, s'il vous plaît, applaudissez très fort pour eux. Merci pour votre prestation. Igwe, Igwe. Merci beaucoup. Très bien, comme la première partie a déjà eu lieu ici à la maison, nous allons nous diriger tous vers le carré du village, où la prestation proprement dite aura lieu. Ok? Tout le monde va entrer dans un véhicule et nous irons ensemble. Et la troupe va nous accompagner avec la musique. Merci beaucoup. Honoré. On peut procéder. Merci, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on attend, les amis? J'espère que tu as aimé la cérémonie de la présentation. Oui, votre majesté. Je n'ai jamais été heureuse de la sorte. Vous savez, quand elle dansait, j'ai dû d'abord m'arrêter pour chercher à savoir si au moins elle comprenait ce qu'elle faisait. Oh! Louisa est une femme intelligente, mère. Oui. Elle m'avait franchement ébloui avec ses pas de danse. Vraiment? Oh! Dans tout ça, nous remercions Dieu pour la réussite de la cérémonie. Mm-hmm. Alors, Louisa, tu seras donc la prochaine reine de ce royaume. Mes félicitations. Je suis ravie, votre majesté. Oui, papa, s'il te plaît, comprends ma situation. Où je suis, c'est très loin et... faire ce que tu me demandes, papa, c'est compliqué. M'as-tu compris? S'il te plaît, papa, essaie de me comprendre. S'il te plaît, je t'en prie, pardon. Je t'aime, papa. Ok. Je t'aime. Bye bye. D'accord. Chérie, est-ce que ça va? Mes parents. Oh. Est-ce qu'ils vont bien? Ils vont bien. C'est juste que ils sont déçus parce que je me suis mariée sans leur permission. J'ai toujours été leur fille préférée. Oh, chérie. Tu sais quoi? Pourquoi ne leur rendons-nous pas visite? Je crois que comme ça, ils apprendront à me connaître. Ferais-tu ça pour moi? Voyons, chérie. Tu sais... je peux faire tellement plus pour toi. Allez, viens avec moi, chérie, viens. Merci. Ce n'est rien. Merci, chérie. Tu n'as pas à me remercier, allez. Merci pour tout mon amour. C'est normal. Je ferai tellement plus pour toi, ok? Dossier, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me donner de l'argent. Je dois aller à l'hôpital, reviens ici. Prends tes responsabilités en main. Investis dans ton enfant. Tu iras nulle part.
Je te préviens. Tu avertis qui? Je t'interdis de passer les bornes. Ce n'est pas moi que tu vas intimider. Je te préviens. Nous nous connaissons. Même si j'ai perdu ma voix, que tu le veuilles ou pas, je vais continuer à le dire. Donne-moi ma part d'investissement par accident. Je ne te laisserai pas passer à côté de cela. Laisse-moi tranquille, je te tiens au cou jusqu'à la fin. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il n'y a personne ici. Maman Dozier, j'arrive. S'il te plaît, viens ici. Maman Dozier, s'il te plaît, préviens ton fils qu'il ne tue pas ma fille. Elle n'est pas son sac de boxe. S'il vous plaît. Né, c'est toi qui dois apprendre de bonnes manières à ta fille. Apprends-lui à comment vivre avec son mari. Tu veux dire que c'est moi qui dois apprendre à ma fille comment vivre aisément avec son mari? De quel mari parlons-nous? C'est le mari qui a payé sa dot ou pas? Hein? Comment êtes-vous? Hein? Je ne sais pas comment est-ce que tu réfléchis. S'il te plaît, de quoi d'abord parles-tu? Écoute, laisse-moi te dire ceci. Je t'avertis aujourd'hui. Si quelque chose de mal arrive à ma fille, hein, franchement, je te dis, ce village ne va pas nous contenir, je te jure. Ça fait quoi, maman Chignorgo? Qui a peur? Mon ami, sors d'ici, arrête de te déshonorer, tu n'as même pas honte. Tu me dis que je me déshonore moi-même? Je suis en train de me déshonorer? Hein? Écoute-moi bien, le silence du tigre ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Et laisse-moi te dire, ne prends pas notre amitié comme une petite chose. Parce que je te dirai, la force d'un homme ne se montre pas par son corps. En tout cas, je te dis, je veux que tout le monde entende ma voix. J'ai été averti. Je te dis aujourd'hui, tu n'as qu'à le mettre en pratique. M'as-tu bien saisi? Né, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Va à la maison parler à ta fille. Que je rentre à la maison parler à ma fille. J'ai été avertie. Si quelque chose arrive à ma fille, tu verras une autre face de moi. Je te dis. Hey, tu ne vas rien faire, je te dis la vérité. Regardez celle-là. D'ailleurs, personne ne va l'épouser dans ce village, je te dis la vérité. Oh. Qui peut épouser une femme comme ta fille dans ce village? N'importe quoi. Allez, allez vous faire foutre. Et ce, c'est imbécile. Allez là-bas. Hi. M'avez-vous très bien regardé pour venir me raconter des bêtises? Eh oh, né, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pardon, laisse-moi m'en aller. Chidogo, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi seule. Je préfère rentrer chez mes parents. Pourquoi? Pourquoi? Ton fils veut me tuer. Ton fils veut m'ôter la vie. Tu es complice de ton fils, non? Tu veux me tuer, toi et ton fils? Oui, toi, non, tu veux me tuer. Tu as comploté avec ton fils pour me tuer. Je n'en peux plus. Laisse-moi partir. J'ai mes parents. Mon père propre évident, fils? Mon père également. Hé, hey, ma fille, ce n'est pas ce que tu penses, non? Rentre non, à la non, maison, non, ma fille. Je ne vais plus entendre. Je ne vais plus faire la paix. Je vais m'en aller. Laisse-moi partir. La ferme. Mon père est encore qu'est-ce qu'il vivant. Y a ma mère. C'est quoi est ton là. Problème, dis-moi. Je vais partir. Comment? Hein? Allez où? Je vais rentrer tu chez moi. Tu n'iras nulle part. Oui. Maman, pas question. Je m'en vais. Je vais aller dire à tout le monde comment vous êtes comploté pour me tuer. Et tuer aussi mon mari. Laisse-moi m'en aller. Je ne veux pas. Oh. Ma fille, s'il te plaît. Ne m'arrête pas. Laisse-moi m'en aller. Je ne veux pas. Je ne veux plus rester ici. Chidogo. Ok. Oh, je ne partirai plus. Tu crois que je ne sais pas ton plan? Je viens juste te les comprendre. Tu veux que je m'en aille? Ah. C'est ça donc ton plan? Pour le meilleur et le pire. Je reste là. Tu veux que je m'en aille pour que tu ailles chercher une autre femme pour ton fils? Maman, tort. Tu mourras sur ton nœud. Je suis là. Je ne pars plus.
Ça ne marchera pas. Je suis là. Quand j'étais encore dans la pauvreté, moi, Chido Ogo, je suis restée avec Dozier. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? C'est ce n'est de frappe. De frappe. Ok, pas mais de problème. S'il te plaît, j'accepte ma fille, de porter ma croix. Calme-toi. Mais je ne partirai pas. Oh. Toi, avec ton plan, tu voulais que je parte? Non. Tu es foutu. Même dans la misère ou la pauvreté la plus extrême, je ne partirai pas, maman. Je ne quitterai pas Dozier. N'ose pas me toucher. Ah, je suis vraiment fatiguée. Hein? Oh, salutations, ma reine. Salut, ma reine. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Vraiment. Oh, tu nous as manqué. Comment vous allez? Comment tu vas? Oui, ça va bien. Mettez-vous. Merci. S'il vous plaît, je ne suis pas la reine. Et il n'y a rien de spécial à ce titre. Oh. Tu ne peux pas dire ça, hein? N'est-ce pas que tu as des gardes toujours après toi? Sans parler des gardes qui te suivent partout. Ils entrent même dans votre chambre. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est ma vie privée. Loïsa. Dis à ton mari, s'il te plaît, nous sommes tes amis, non? Que nous puissions vivre ici avec toi, hein? Bien sûr que j'ai trouvé un mari. Ok, bon, arrêtons de parler de tout ce qui concerne la royauté. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous offrir? Maintenant, tu as bien parlé. Tu connais les très gros fantas, là. C'est ce que je veux boire maintenant même. Ici, on m'a mis Chono. Tu la fermes. Mais c'est quoi cette folie? Ne lui donne pas de fanta. Oh, il n'y a pas de problème. D'accord. Attendez, hein. D'accord. Allez. Mais où est-ce que tu veux aller? Mets-toi. Pourquoi? Tu es une reine. Comporte-toi comme telle. Tu as des servantes. Il suffit seulement que tu claques les doigts et elles viendront te servir. Je ne suis pas là pour te traiter de cette façon. Attendez-moi, j'arrive. Hé. Hey. Grofanta. Ok? D'accord, j'arrive, hein. La gros fanta. D'accord, j'arrive, t'inquiète, hein. C'est quoi ton problème, toi? Nous devons nous réjouir. Oh, tu parles beaucoup. Non, tu ne peux pas... Eh, hey, pardon, laisse-moi tranquille. Hein? Dozier. Dozier. Où est-ce que tu vas? Tu veux me tuer de faim, c'est madame? Dozier! Dozier, je te parle, tu m'ignores. Je n'ai pas encore mangé, oh! Oh! Tu ne veux pas prendre soin de moi, hein? Tu oublies que je dois manger, hein? Tout ce que tu sais, c'est de me rendre enceinte, hein? Investisseur étranger. Tu sais investir, mais prendre soin de cet investissement, tu ne sais pas. Hein? Hein? Fouteur de mari! Oh, Nyala! Un homme inutile! Tu ne miserais pas le risque de m'avoir tout le jour sur ton lit? Irresponsable que tu es! Insensé! Tu n'as pas où aller où je te laisserai en paix! Yo! Il n'a plus rien à dire! Dozier l'impressionniste! Oh, Nyala! Regarde-le! Il devient un pousse-pousseur! Tu ne l'as pas encore poussé, mon cher! Tu le pousseras jusqu'à finir l'investissement que tu avais commencé en moi! Investisseur étranger! Mais incapable d'investir dans sa propre localité. Et vous, tu sens la pauvreté. Tu n'as plus rien. Où sont les billets des banques que tu as arrosés ça et là? Ta source ne produit plus rien. Vas-y, parle encore. Tu fermes ta bouche maintenant, hein, c'est ça? Chidogo. Vas-y, parle, je vais te voir. Chidogo. Tu veux que tout le monde sache que c'est toi la seule qui sait parler ici? Investisseur, investisseur, tu sais quoi ça? Ne joue pas avec moi. Maman Chidogo. Maman Chidogo. Maman Chidogo. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ici. Maman,
Viens, maman, suis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi. Juste, viens. C'est quoi le problème, le pire est arrivé. Maman, allons-y d'abord. Il y a le pire est arrivé. Dites-moi. Allons-y d'abord. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez-moi. J'arrive. Attendez, oh. Attendez-moi. Okay, docteur, calmez-vous, dis-moi, c'est comment? Comment elle va, docteur? Comment va ma fille maintenant? Poussez-moi, dossier. Désolé, nous avons perdu votre femme et les bébés. Oh! Désolé, nous avons perdu notre fille, mais nous n'avons pas pu. Ma fille! On peut vous demander si on a fait notre mieux, mais ça n'a pas marché. Ma fille! Mais ma fille! Non! Calmez-vous. Ma fille, docteur! Dépose-moi ma fille, docteur, non! Ma fille! Calmez-moi, ma fille! C'est quoi? Docteur, ma fille ne peut pas mourir. Désolé, madame, ma fille ne peut pas mourir, calmez-vous, docteur. Calmez-vous. Non. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ma fille ne peut pas mourir, c'est docteur. Bon. Ma fille n'est pas morte. C'est bon, calmez-vous. C'est bon, madame. Pourquoi? Soyez fort, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, docteur, calmez-vous. C'est bon. Montre-moi ma calmez-vous. Fille, docteur. Calmez-vous, s'il vous plaît. En Australie. Que les dieux soient avec vous durant votre voyage à l'étranger. Issé. Qui vous assure un voyage sécurisé. Issé. Qu'aucun œil méchant ne vous regarde. Issé. Que vous arriviez à votre destination saine et sauf. Issé. Comme c'est la volonté de Dieu que vous soyez mari et épouse, ils feront en sorte que vous donniez naissance aux garçons et aux filles. Issé. Vos enfants grandiront et deviendront matures. Et ils grandiront tellement pour vous enterrer. Issé. Et tu es maintenant marié. Quand tu verras tes beaux-parents, mange et sois confortable dans leur maison. Sens-toi à l'aise, car tu as prouvé le fait d'être un homme. Oui, papa. Que les dieux vous bénissent. Merci, papa. Bon voyage, hein? Issé. Ma fille, reine-mère. Ma belle-fille. Oui, ma reine. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas vraiment me manquer, ma Moi fille. Aussi, maman. Prends bien soin de mon fils. Tu sais qu'il est le seul que j'ai. Je t'en prie. D'accord, reine-mère. Vivez en paix. Issé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu vas me manquer. Ouais. Ah, mon fils. Oh. Mère. Prenez bien soin du prince, hein?
D'accord, c'est sûr. Merci, hein. C'est bon. Tu vas me manquer. Tu vas aussi beaucoup me manquer. Oui. Partez en paix. Hein. D'accord, je vais revenir. Bon d'accord. Ma belle sœur, chérie. Allez, Sœurette, viens là. Bye, bon voyage à vous. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi, Sœurette, s'il te plaît. Que le Seigneur vous garde. Il est temps de partir. Allez, il est temps de partir. Guano. Grand frère, n'oublie pas de nous appeler. Oh, tu me connais. Dès que vous arrivez, appelez-nous. Bien sûr, mère. Fiston. Bonne année. Oh, ah! C'est pour vous. Père. Ok, allez-y maintenant. Bye. Ne manquez pas de vol, hein. Allez-y. Appelez-nous de temps en temps, s'il vous plaît. Promis, Sœurette, t'en fais pas. Studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.